Donc j'espère que vous avez bien déjeuné. On va reprendre. Et on va reprendre en passant encore quelque chose d'un peu, on va dire, non artistique, dans le sens que ce n'est pas des brosses avec des effets, avec des choses à voir, mais que ce sont encore des outils techniques qui vont nous aider à assister notre tracé, ce sont les assistants. Alors pour ça, je vais ouvrir une feuille. Et l'assistant, c'est cette petite équerre que j'ai passée parce que justement, elle était un peu dense et elle est aussi liée aux brosses. Alors les assistants, à la base, le concept des assistants, c'est pour ça que c'est une petite équerre, c'est que c'est un peu une règle pour tracer, pour faire un trait, pour voilà, nous assister dans un tracé. Donc si on clique dessus, et que voilà, sans aller voir les tool options, qu'on commence à faire quelque chose, on va avoir des trucs un peu bizarres là, sur le canevas qui vont apparaître. Là j'en ai fait deux assistants, et ce sont des assistants de type, alors là je vais aller dans tool options pour vous montrer, vanishing point. Donc ce sont des termes qui sont par rapport aux grilles perspectives. Vous êtes un peu familier avec la perspective à 2 points, 1 point, 3 points. Donc vous voyez cette ligne d'horizon peut faire à 2 points, 2 points de fuite. Et bien là, ça va être des points de fuite. Voilà, ils sont virtuellement reliés l'un et l'autre. Là, ça, j'en ai fait deux. Donc si je fais une ligne comme ça d'horizon et de points, alors pour les manipuler, la première c'est l'orientation, et la deuxième, si j'arrive à la décoller, enfin la première, voilà, on peut le bouger un rayon, simplement c'est ça, c'est pour le caser si on a un dessin préexistant en dessous, pour recaser dessus, et la deuxième, ça va bouger par contre l'origine. La première bouge le rayon, la deuxième bouge l'origine. Donc là, si je fais une ligne d'horizon et deux points, l'assistant ne va fonctionner que quand je vais le mettre à dessiner. Alors quand je me mets à dessiner, voilà ce qui va se passer. Vous allez voir, hein, ça veut dire qu'il va y avoir de nouvelles décorations sur mon curseur avec ces lignes de fuite qu'on va voir. Donc ça peut déjà simplement m'assister là, si j'ai envie de dessiner, hein, faire un bâtiment, et je me dis, voilà, simplement deux visuels, je vais pouvoir suivre ces lignes-là, faire quelque chose. Comme ça, à main levée, je vais avoir un système assez correct déjà, où je peux élargir les points. Les points peuvent être en dehors du canevas, parce que bien sûr c'est le cas dans les points de perspective. Et je peux demander aussi, donc ici on va dans les tool options, et il y avait le assistant et snap single qu'on avait passé justement dans les tool options de l'outil de tracé. Quand on clique sur assistant, il y a un petit slider, un petit coulissant, la 1000, qui va être une tolérance. Et on va pouvoir avoir notre trait, vous voyez, même si je suis ici ou là, qui va être magnétisé, en fait, à ce que fait l'assistant. Donc là, je n'ai même pas à m'occuper de tracer plus ou moins droit. Par contre, là, je n'ai que deux assistants, donc si je veux faire comme là des lignes, je vais devoir en créer un autre. Donc je retourne dans assistant, on va revoir mes règles. Et je vais ajouter un parallèle, parce que toutes les lignes dans ce système à deux points sont parallèles. Là, voilà, je vais avoir mon système complet, et maintenant je vais avoir ce genre de croix, qui fait un peu plus 3D, donc si je veux m'aligner sur celui-là, je fais comme ça. Oups, je suis parti un peu de travers. Donc ce sont des outils qui peuvent être très très utiles si vous tracez des perspectives et que vous avez besoin comme ça de règles et de magnétisme. Alors il y a beaucoup de systèmes perspectives différents qui existent. Il y en a certains qui sont courbés. Il faut savoir qu'il y a aussi les assistants qui sont là pour ça. Ce sont des fish eye points, hein, qui, comme l'indique, sont comme les points de fuite, mais là qui vont gérer en point de fuite en courbe tout autour. C'est assez impressionnant. Si vous voulez supprimer un assistant, il faut donc retourner en mode assistant et cliquer sur la petite croix, petit panneau interdit là. On clique dessus et ça le retire. Un système d'assistant
Une fois que vous en avez un, vous pouvez le sauvegarder dans un fichier. Par exemple, vous avez fait un super 3 points de fuite, et puis c'est quelque chose que vous avez souvent, vous pouvez l'enregistrer sous mon 3 points de fuite. Les assistants, ben, ça va servir aussi à un vanishing point, un point de fuite. C'est si vous voulez faire une scène d'action, ça arrive souvent, et vous avez ce genre d'éclaté qui va arriver autour, par exemple, d'une scène, je vais faire l'assistant, où il y aurait par exemple, un point qui arriverait sur les personnes. Symbolise rapide, mais c'est un effet qu'on va retrouver dans beaucoup de bandes dessinées maintenant. Vous allez retrouver aussi, alors, ah oui, parce que j'ai configuré le backspace, je crois, pour supprimer tout. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez dans les tools assistants. D'autres, comme l'ellipse, après qui ont des points plus ou moins décoratifs. C'est-à-dire que celui-là, on est vraiment comme sur une règle. Il faut imaginer, je suis sur un sketch. Alors, je vais supprimer quand même celui, le vanishing point qui est là. On est sur un sketch, par exemple une voiture, qui a une roue comme ça. Avec une autre roue comme ça. Pas très très brillant, je l'ai vraiment en opacité, je veux faire un tracé plus net de cette roue, j'ai à peu près l'idée. Dans les outils, je vais avoir l'outil tracé de rond, je vais essayer de le placer, mais ce que je peux faire aussi, c'est d'utiliser un assistant pour ça, parce que l'assistant va être aussi simple à placer. Voilà. Et puis, une fois que je serai là, j'aurai plus qu'à appliquer l'assistant pour pouvoir tracer cette roue. Bon, l'avantage d'utiliser l'assistant pour ce genre de travail-là, plutôt qu'une ellipse, on pourrait dire mais l'ellipse ça va quand même vachement vite, c'est que l'assistant, vous pouvez avoir la pression de votre stylet. C'est-à-dire que, vous voyez, ça accompagne, là je peux faire doux et faire une ligne plus épaisse au fur et à mesure que j'appuie ou pas. Ça va vous permettre d'avoir des tracés un peu plus naturels, tout en ayant cette contrainte. Et surtout, vous allez pouvoir le déplacer, parce que bien souvent, quand on a une roue, on a aussi des rayons, des choses comme ça, pour pouvoir faire des autres éléments à la volée. Tout en ayant un résultat qui peut être clean. Pour ceux qui aiment bien la propreté, hein, ça c'est... Moi, je suis plutôt du genre, dans mes dessins, à tout tracer à main levée, quitte à avoir des effets de lignes un peu sketchy, il y a des lignes un peu dans ce genre-là, des lignes un peu comme ça, ça ne me dérange pas trop. Mais pour des dessins un peu plus techniques ou des rendus un peu plus léchés, l'assistant va pouvoir être utilisé pour ça. On va voir la concentrique ellipse. Alors ça ressemble à exactement la même chose à première vue. On a une sphère, sauf que là, ça va être, vous voyez, toutes les lignes, alors j'active l'assistant, toutes mes lignes qui elles vont être directement autour de celui-là. Tous les assistants sont combinables, c'est-à-dire que par exemple, ah oui, backspace, ouais. Par exemple, si je prends assistant, tool option, je refais un concentrique au milieu et que je fais en plus un vanishing point, voilà, comme ça au milieu, on va se retrouver avec cercle plus rayon et on va pouvoir faire ce genre de choses là plus facilement. Donc, l'intérêt au niveau illustration, eh ben, c'est à vous de le trouver. Des fois, dans certains cas, tous ces outils-là, tout d'un coup, ça va faire sens et ça va vous faire gagner 30 minutes que vous auriez eu à le tracer ou à le faire. Les assistants se combinent aussi avec le multibrush. Alors, vous savez ce que c'était que le multibrush, hein, il faut remettre l'assistant dessus. C'était toutes ces lignes. Alors là, je vous laisse imaginer un peu ce que ça peut faire.
Et donc, comme on a vu, multibrosses, elles peuvent être parallèles, concentriques, autant de points de symétrie qu'on a envie, et tout de suite avoir des résultats, voilà, encore, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Moi, j'imagine très bien des personnes qui peuvent faire des dessins dans jolis bords de voiture ou tout avec ça. Mais j'ai fait quelques mandalas, une fois qu'on en a fait un ou deux ou trois, on a fait un peu le tour. Mais sur certains projets, j'ai eu vraiment des petits raccourcis avec ces, je vais y arriver, avec ces assistants. Donc on les a à peu près tous vus. Il y a une option, il y en a d'autres, mais rouleur, c'est-à-dire c'est simplement une ligne, et puis on trace sur sa ligne. Donc voilà, si on est là, il ne se passe rien, c'est sur cette ligne-là que tout se passe. C'est une règle. Et les autres, c'est à peu près du même genre, donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas dessus. Si je reprends Vanishing Point et que j'en mets deux, et que là j'ai Snap Single d'activé, c'est-à-dire que je vais pouvoir me magnétiser qu'à un seul. Vous allez voir, si je fais ça et que là j'essaye de bouger dans l'autre sens, ça ne va pas marcher. Cette option-là, si je la décoche, je vais avoir plus de liberté. Je vais pouvoir sauter à un autre. Mais comme vous voyez, ces sauts de magnétisme vont engendrer des lignes, des sortes de petits problèmes. Donc c'est pour ça qu'il est activé par défaut. Certaines personnes préfèrent, préfèrent être contraintes. Bon, ça. Enfin voilà. On a pu faire une sorte de tour des assistants, qui pour moi est une fonctionnalité que je trouve très intéressante de Krita. Et on va pouvoir attaquer un autre grand pan, qui est la pile de calque. Alors la pile de calque de Krita, moi j'ai trouvé super super originale et performante. S'il y avait une question sur les assistants, on peut l'avoir maintenant. Donc en passant sur la pile de calque. Alors, la pile de calque, je vais... Alors là, j'appuie sur Shift, hein, quand je suis en freehand, en outil de tracé, j'appuie sur Shift pour retailler ma brosse. On va la faire plus grande, pour la faire plus petite. Hein, vous avez la taille qui est ici aussi, c'est exactement la même chose. Mais là, ça permet d'avoir une approche visuelle de ce que l'on est en train de faire. J'ai une question par rapport à ça. Ouais. La ligne, le carré, les formes prédéfinies, oui. Non, le rayon avec Shift, c'est que en outil libre, parce que pour les autres, ça va être aussi, ça va servir à contraindre la ligne, à la faire horizontale ou verticale. Par contre, comme on a vu que l'outil ligne, tu peux l'utiliser avec V, avec la touche V en la tenant, et là, il est possible de redimensionner avec cette touche V sur le coup, mais c'est une touche cachée, voilà, encore c'est vrai que c'est une touche, il faut la savoir, hein, se subtiler. Ouais. Tu as Shift pour changer la size et tu as quelque chose pour l'opacité aussi, Alors pour l'opacité, il y en a d'autres, mais c'est deux touches, ça va être une touche pour la baisser ou la monter, ça va être I et O sur le clavier, donc O comme plus opaque et I comme, comme c'est à côté, voilà. Et vous voyez, là, je peux passer d'une à l'autre, comme ça, et revenir. On voit ma barre d'opacité qui descend. Juste en dessous, il y a K et L de I et O, moi, sur mon clavier. Et K et L, L, ça va être pour la lumière, et K pour darkness, K, donc l'ombre. Et ça aussi, hein, quand vous êtes en train de dessiner, et qu'il y a une petite lumière, alors, je vais faire comme c'est sur cette boule, et si vous augmentez, vous voyez que là, ça se déplace tout seul. Et après, ça va aller chercher le blanc directement. Donc là, je peux faire une lumière. Et si je mets K pour... Alors K, pour une raison que je ne connais pas, ne veut pas fonctionner aujourd'hui. Bon. Avec brush color lighter, darker. Hein. Et pourtant, il y est, mais... mais pourquoi H? Ouh, il y a eu un changement dans les... Ah voilà, bon. J'ai dû le changer tout à l'heure en faisant des bidouilleries parce que
je vous ai montré que c'était l'historique H au tout début et ça fonctionnait bien. Je vais peut-être remettre à zéro mes préférences clipa après. Mais en tout cas, K et L, de base, ça devrait marcher chez vous. C'est pour défaire, mettre plus, un peu plus de noir ou un peu plus de lumière dans la teinte. Et autant je vous le déconseille dans des grosses formes quand on peint, autant quand on est sur des détails, à des fois on a un pinceau qui n'est pas assez foncé, le détail ne se voit pas ou n'est pas assez clair. Et là, ça vaut le coup d'avoir un petit coup sur la touche pour éviter d'avoir le gros aller-retour dans le sélecteur de couleurs. Donc, revenons au calque. Je vais faire un calque 1. Je suis désolé pour la qualité graphique des exemples. Je suis pas là pour faire un personnage sur chacun. Ça me prendrait peut-être un quart d'heure, voire une demi-heure sur un. Mais là, voilà, je fais, on va dire, 1, 2, 3 sur 3 calques différents. Donc, jusque-là, vous connaissez pas, c'est des calques. Le 3 est au-dessus, le 2 est entre les deux, donc il part entre les deux. Et le 1 est là. Et là, je les bouche avec la touche T, la translation, hein, le mouvement. Ce que Krita a d'original, ça va être dans sa façon de gérer les clones de calques. Alors, je ne connais pas trop d'autres solutions qui ont les clones de calques. Bon, peut-être que c'est Krita qui l'a. Mais vous pouvez, donc, ici, faire un clic droit sur le calque et bon, ça va être sûrement là. Clone layer, voilà. Bon, je croyais que j'avais trouvé un clic droit, mais en fait, c'est la petite flèche à côté de là. Et ça va créer un clone du 2. Alors, ceux qui connaissent la 3D et qui connaissent Blender connaissent ces duplicata par instance. Hein. C'est-à-dire que le 2, le calque 2, je peux le bouger. C'est-à-dire que je peux bouger quand même ce qu'il est, il n'est pas obligé d'être à la même position. Mais si je peins dessus maintenant, il va garder exactement la même propriété que le calque d'à côté. Ça ne prend pas beaucoup de mémoire, hein. Moi je trouve que ça peint assez vite. Et c'est très intéressant. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que on va pouvoir aussi le transformer. C'est-à-dire que l'autre, le clone, on peut le transformer. Vous avez vu, je l'ai bougé déjà de position. Il n'est pas vraiment à la même position, donc ce n'est pas vraiment un vrai clone. C'est ses pixels qui vont être clonés. Mais sa position peut être déjà clonée. Si vous faites un clic droit maintenant dessus, je vais le trouver quand même. Et on va faire ajouter donc un transform mask qui est ici. Ça va créer une sorte de petit ciseau en dessous qui est une sorte de sous-état à ce calque, ce clone du numéro 2. Et cet état-là, qui n'est pas représenté vraiment par des pixels, ce n'est qu'une sélection, je vais pouvoir appeler dessus une transformation. Et là, toutes les transformations vont fonctionner. C'est-à-dire que si je prends le 2 et que je le bouge comme ça, en perspective par exemple un petit peu, puis ben, on va le regrandir un petit peu. Voilà. Le transform mask est dessus. Si je cache le transform mask, on voit bien que les pixels sont toujours comme ça. Le transform mask n'est que son état modifié. Et je peux continuer à peindre sur le 2, comme ça, et vous allez voir que tout va s'appliquer sur le transform mask. Moi, je trouvais ça balèze. Alors, ça crée forcément des possibilités nouvelles dans la pile de calques, puisqu'on a des groupes, puisque ces groupes, vous pouvez gérer un projet avec des calques dupliqués à travers ces mêmes groupes, et que surtout, les groupes de calques vont pouvoir être exportés. C'est-à-dire que, je vais vous montrer par exemple, si je fais un groupe que je vais appeler 1 et 2, ce groupe-là se comporte comme un dossier. Hein. J'appuie sur Shift pour sélectionner deux calques, je les balance dedans. 1 et 2, on le voit, hein, maintenant le groupe représente 1 et 2. Et là, je vais faire un autre groupe que je vais appeler 2 et 3. Voilà. Même à travers le groupe,
replie le groupe 2 et 3, même à travers le groupe, vous allez dans une autre hiérarchie, et ça, même à travers plein de groupes, les capacités du clone restent les mêmes. Le clone reste lié à son original. Ça, c'est comme on pourrait s'y attendre, on peut dire. Je vais faire quelque chose un peu plus visuel pour bien voir que c'est le 2. Et ensuite, il y a une capacité de Krypta de vouloir, par exemple, exporter ces groupes sous forme d'images. Donc vous allez avoir ici dans les calques, export et sauvegarder les groupes des calques. Et là, ce sont simplement pas tous les groupes. C'est-à-dire, si on a plusieurs groupes embringués, il ne va pas sortir tous les groupes. Il va sortir que les groupes parents. Alors ça a été fait, je sais, pour ceux qui font justement de la 3D, pour les texture artistes qui ont bien souvent des groupes comme la diffuse, comme la bump. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de duplicata dans ces groupes-là. Des duplicata qui vont bien souvent être remis en noir et blanc. Je pense à des fois des certaines maps, quelque chose. Et on va pouvoir, avec les filtres dynamiques et avec les clones, pouvoir les auto-générer et les exporter à chaque fois. C'est-à-dire on va avoir un fichier Krita qui va gérer un peu toute la pile de ces passes de textures, par exemple. Et on va pouvoir les exporter comme des groupes directement. Donc, ce qui se passe quand j'exporte les groupes, je vais le faire directement sur mon home. Je vais, par exemple, faire un nom PNG simplement, parce que je sais vraiment que ça va être une image PNG. Je fais OK. Je vais retrouver dans mon... Et comme j'ai pas mis de nom, il met un petit slash devant. Mais je vais avoir 2 et 3, et 1 et 2. Et même si c'était un clone, il va quand même apparaître dans le groupe. Il est physiquement quand même dans le groupe, même en tant que clone. Donc vous voyez le résultat, ce qui peut être exporté. Bien sûr, toutes ces fonctions-là sont assignées par des touches de clavier. Et je sais que cette fonctionnalité-là est bien souvent appréciée au niveau de ceux qui ont des projets 3D. Ensuite, dans les autres fonctions de cette fameuse pile de calques que je vais garder, le 1 et 2, donc je vous ai montré les groupes, on a toutes ces petites icônes qui sont là. Alors, toutes ces petites icônes-là, je vais vous les expliquer. Enfin, dans la pile de calques, je vais remettre le 1 au milieu. La première qui va être intéressante, elles le sont toutes, mais bon, celle-là va être plus intéressante peut-être, c'est de créer un calque dans un groupe. Alors là, j'ai le 1 qui est en bas du groupe, le groupe 1. Là, j'ai une sorte de masque, c'est-à-dire que les pixels qui sont du 1 définissent une sorte de limite d'un univers. Et au-dessus, si je mets le A, le A va être barré, c'est comme le alpha. En fait, il va hériter du calque, de l'alpha du calque qui est en dessous. Alors l'alpha, c'est la transparence, hein. C'est ça, c'est ce qui est transparent. Donc c'est-à-dire que maintenant, mon calque ici, je vais appeler peinture, en français. Si je peins, je ne déborde pas visuellement. C'est-à-dire que là, je défais le fond, je n'ai pas débordé visuellement. En fait, si je retire celui-là, si je défais l'alphacité, j'ai bien encore mes pixels qui sont là. Simplement parce qu'il va hériter l'alpha du calque de dessous. Donc... c'est une façon, la façon de Krita de faire ce que dans les photos, dans Photoshop on appelle les clipping masks. Les clipping masks sont bien souvent au-dessus, comme un domaine qui va un peu définir l'alpha pour le dessous. Pour Krita, c'est celui du fond qui définit les limites alpha et c'est tous ceux du dessus qui le prennent. Bien sûr, l'outil bouger, hein, vous pouvez bouger dans un clipping mask ce qu'il y a au-dessus, pas de souci. Bon, l'outil visibilité, hein, l'œil, tout le monde sait ce que c'est. Le petit cadenas aussi, hein, ça nous empêche de peindre. Hein. Vous voyez, il y a un curseur interdit qui me dit que je ne peux rien faire sur ce calque. Ça, c'est si on a des calques à protéger dans une production, qu'on ne veut pas se planter ou qu'on travaille avec plusieurs personnes et c'est très sympa sur celui-là. Le dernier, qui est intéressant aussi, alors je vais le supprimer. Le dernier, ça va être... bloquez-moi l'alpha, c'est-à-dire que la transparence, je ne veux pas qu'on y touche. Et là, je n'ai pas besoin d'effet de clipping mask. Si je fais par exemple le tracé comme une jaune que j'ai fait,
Là, ça marche directement parce que je ne peux pas peindre sur les zones qui sont transparentes. Les zones transparentes là, je ne peux pas peindre. Je ne peux peindre que dans les zones qui sont là. Alors, une des particularités de Krita par rapport à ça, je vais faire un domaine un peu plus grand. Et puis on va. Oups, là on voit plus rien. J'espère que ça ne présente rien d'obscène. Donc, je fais des lignes dessus. Une des particularités de Krita, c'est que normalement, certains autres outils considèrent qu'à partir du moment où on bascule en mode de suppression, de gomme, d'effacement, donc c'est E, la touche, ou la petite gomme qui est en haut ici, que ça devrait ici créer la couleur de fond. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec, là si j'ai du noir, on se retrouverait avec du noir. Ça, c'est la plupart des logiciels qui le font. Eh bien, Krita, non, lui va considérer que quand même la gomme a une priorité et fait de l'alpha. C'est-à-dire que là, je peux modifier. Ah oui, mais. Non, mais je ne suis plus en gomme. Erase, petit bug. Voilà. Je suis en train de supprimer. Je vais défaire le. Et là, je vais être relimité à mon endroit. Je ne vais pas pouvoir peindre au-delà. Voilà, ça peut être surprenant pour ceux qui sont habitués à que quand on limite l'alpha, forcément, eh bien, même une gomme doit peindre la couleur du fond et pas autre chose. Donc, on va reprendre toujours ce 1. On va avoir aussi d'autres masques le masque de filtre. Voilà. Là, il y a Transparency Mask, Filter Mask et Transform Mask. On a vu le Transform Mask. Je vous rappelle que ça marche sur n'importe quoi, c'est pas forcément un clone. C'était intéressant sur un clone parce que ça nous permettait de le transformer, mais on peut aussi transformer un simple chiffre comme ça et dire voilà, j'ai envie de faire un liquify dessus. C'est-à-dire là, cette déformation. Une déformation bien complexe. Faire entrer et la garder dynamique. Comme ça, si jamais je viens avec un outil de dessin. Ah oui, j'ai limité l'alpha. Alors là, c'est juste le temps qui le recalcule. Mais j'ai pas l'impression qu'il le prend. Ah voilà. Il y a un petit temps de calcul derrière quand même. Et donc là, c'est bien mon cercle qui a été fait, mais qui a été mis comme ça. Par contre, comme j'avais fait un carré de sélection quand j'ai bougé en liquify, il ne prend pas cette partie-là. C'est logique. Bon, ça permet de montrer que ces transformations-là peuvent être vraiment dynamiques et non destructives dans un projet. Ce qui a toujours été souvent le cas. Tu actives la transformation à partir du moment où le masque est sélectionné. Tu l'actives avec la transformation. Parce que moi, quand je sélectionne le masque de transformation, je n'ai pas Ah oui, je reviens donc à l'outil de transformation. C'est-à-dire qu'il faut sélectionner le masque de transformation et l'outil de transformation pour avoir la décoration qui s'affiche. Alors, essayer de le remontrer. On va faire un cercle comme un donut. Et je refais un transform masque. Là, je suis sur le transform masque, ça ne m'affiche pas la décoration. Par contre, si je vais sur cet outil-là, transform layer, ou si je presse CTRL T, c'est ce que je faisais, désolé, je le faisais par automatisme directement sur le clavier, c'est un peu opaque comme façon de faire. Et que là, je fais cette transformation, par exemple, je vais avoir forcément la transformation appliquée. Pour après, ça me flatte toujours. Je sais pas. Pouvoir dessiner en haut, à plat, et avec le truc en perspective qui apparaît en dessous, parce qu'il y a la transformation dynamique. Si on clone un plan, et qu'on peut faire les quatre pans d'une pièce, par exemple. Je peux vous le montrer. C'est assez rigolo. Je vais faire, pour ça, première petite démo, de pas grand-chose, un carré. Je limite l'alpha. Ça va faire un peu quelque chose de plus pratique. Je vais un peu ajouter une petite texture dessus. Je prends une brosse un peu qui fait un peu de bruit,
fais un peu de bruit dans les coins. C'est normal que ça ne peigne pas le tour, j'ai limité l'alpha. Ça, ça va rester mon original. Je vais le cloner. Clone layer. Bon, je ne vais pas aller vraiment les nommer, hein. je vais y aller un peu à la bourre. Hein. Je fais trois clones. Le premier clone, je vais lui faire un transform mask. Je fais CTRL-T sur le clavier. Je vais aller dans Tool Option, dans les quatre coins. Je vais faire le fond de la pièce et ceci. Je vais aller sur celui-là. Je vais faire un autre transform mask. Alors, ah oui, là, je suis sur celui-là. Pardon, excusez-moi. Oui. Donc là, j'ai mon original, celui-là, transformé. C'est bien lui. Je vais les masquer au fur et à mesure parce que sinon, à mon avis. Je masque les deux. Donc celui-là, je veux le transformer. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Désolé, hein, de mettre un peu emmêlé les pinceaux parce que le calque se ressemble assez. Voilà, je fais un fond de pièce. Je le masque entièrement. Lui, je vais lui faire aussi un transform masque. Voilà. On y est. Donc, maintenant, je vais tous refaire la visibilité. Alors là, j'attends le gros crash. Voir, ça devient très artistique. La logique était bonne, hein. À mon avis, là, il aime pas. Bon. C'est là où la théorie et la pratique, il y a... Ah, quand même. Non, mais je crois que le transform masque n'est pas tout à fait au point quand il est utilisé plusieurs fois dans la même pile. Désolé, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, c'était pour montrer que quand normalement on en a plein tout autour, j'avais vu une démonstration avec un bouquet de fleurs, très bien fait, on pouvait peindre. Les autres sont complètement bizarres. Hein. Et tout se peignait en fait sur les quatre reportés. Mais c'est vrai que là, je ne sais pas ce que je fais de mal. Vous pouvez voir, hein, ça a l'air assez normal ce que je fais. Je vais essayer de leur donner un nom un peu différent, peut-être que c'est ça. Mais ça serait bête qu'ils se basent sur les noms. Donc j'abandonne cette petite partie de la démo, je suis désolé. Donc pour une fois faire un truc un peu plus sympa. Ça prendra, bon, je préfère dessiner des patates. Donc ça donne une idée de ce qui est possible à faire avec cette pile de calques, surtout de ce qui n'est pas possible. Donc je vais passer à la suite, c'est-à-dire au filtre de masque. Alors, le filtre masque. Alors ça, c'est assez particulier, je vais faire plutôt un autre contenu du calque, plutôt un autre domaine, pour le montrer. Comme ça. C'est un filtre qui va réagir. Déjà, il faut que le calque que je prépare ait des zones blanches, noires ou grises. Les zones blanches vont être là où le filtre va avoir toute son intensité, les zones noires où il va avoir aucune intensité, les zones grises où, si c'est un gris, par exemple 50%, où le filtre va avoir 50% d'influence. Alors là, je vais essayer de le montrer. Par exemple, si je le convertis ce calque-là en filter masque et que je prends ce flou qu'on avait vu. Alors je vais y aller à 32 pixels pour que ça soit bien visible. Voilà, on va voir que les bandes blanches, seules ces bandes blanches vont affecter en fait le carré de fond.
parce qu'il se voit de mieux, parce que c'est vrai que le carré de fond n'est pas non plus quelque chose avec une ligne peut-être. Avec une petite forme. Parce que tout ça c'est dynamique, hein. Donc là vous voyez, mon ordinateur commence à être à plat. Voilà, c'est comme si on dessinait derrière. Là je vous montre un pinceau qui est un peu spécial aussi. Mais ça vous donne aussi l'idée de ce qui est possible de faire avec un masque de filtre que l'on peut bouger bien sûr avec l'outil pour bouger, pour positionner. Mais ça, donc comme ça repeint tous les pixels, ça peut être très intensif pour votre pile de calque. Donc le dernier masque, le dernier type de masque qu'on va avoir, ça va être le masque de transparence. Alors pour ça, il faudrait mieux que j'ai un fond et un devant. Je vais regarder si dans mes fichiers, j'ai pas quelque chose de plus sympa avec un fond et un devant. Encore sur celui-là, une page au hasard, celle-là, une mauvaise page. Voilà, cette page-là, je vais prendre simplement une case et aplatir l'image. Donc, on va avoir ce personnage-là. Là, comme c'est tout aplati, j'aurais dû quand même virer la pluie, mais bon, c'était un calque séparé. Prendre simplement un personnage de premier plan. Un peu à la va-vite. Et je vais le décaler ici pour avoir un fond. Là, il ne m'a pas fait vraiment ce que je voulais. Voilà. Excusez-moi, j'ai tapé un mauvais raccourci. C'est parce que là, j'ai repris Krita par défaut. Celui avec les raccourcis par défaut. Normalement, j'utilise une version avec tous mes propres customs. Donc, je m'en mêle un peu. Par exemple, moi, je ne fais pas CTRL-Z chez moi. Je fais que Z directement. Je trouve que pourquoi mettre CTRL. Si on a besoin de supprimer un truc, pourquoi mettre le CTRL Z? Mais ce sont plein de choses qui sont discutées à des fois avec le développement et puis qui ressortent que ce sont quand même des personnalisations que je fais moi-même, qui n'ont pas non plus à être pour tout le monde. Le plus intuitif est CTRL Z pour tout le monde, je respecte totalement. Mais là, pour cette démonstration, j'ai voulu remettre tout le rond. Et c'est vrai que je m'en mêle un petit peu dans les raccourcis clavier. Donc enfin, nous avons un fond ici et un personnage devant. Et le principe du transparency mask est assez simple. On va se trouver sur une surface là, toute blanche, même si on voit que c'est marqué blanc et noir. Elle est toute blanche de base, et ça veut dire je laisse tout passer. C'est-à-dire que là, le personnage a tous ses pixels, je les laisse montrer. S'il y a peinture noire sur ce calque, donc je vais prendre une brosse qui peut être plus rigolote. Mais ça, je pense que c'est aussi un des classiques qu'on retrouve dans à peu près tout le logiciel. Hein. Transparence. Voilà, j'ai une brosse qui fait ça et ça va gommer le personnage. En fait, ça va mettre de la transparence là où j'ai montré que je voulais avoir des traits noirs. Les traits noirs deviennent. Ça ne laisse rien passer, c'est. Ça gomme. Et si je reprends du blanc, ça va les re-révéler sur ce masque. Et si je prends du gris à moitié, ça va faire ben, la chose un peu à moitié. Donc là, je vais avoir une transparence à moitié. Donc le calque en lui-même, il est possible de le voir. Hein, vous avez un clic droit à chaque fois que je faisais quelque chose avec des calques. C'est difficile de voir ce qu'on fait. Si vous avez besoin de plus de visibilité, il est possible de les isoler. Là, vous avez Isolate Layer. Et on va se retrouver rien que sur le calque qu'on est en train de travailler. Si vous avez une forme spéciale à isoler, on va faire quelque chose. À savoir que normalement, je crois que
redéfaire la visibilité d'un calque. Non, je crois qu'il faut revenir dessus et refaire isoler. Voilà. Et on va revenir. Là, on va voir les trous qui ont été faits. Donc ça marche même sur ces transformations masques. Enfin, je vois pas ce qu'il y a vraiment à voir sur transformation masque, mais sur celui, le filter masque, qui est à peu près du même esprit que celui-là, mais sauf sur l'effet du filtre, ça va jouer. Il est possible aussi de l'isoler, voir quand il y a des clones, et encore quand ça marche avec les clones. Cette pile de calques, on va retrouver beaucoup de modes de fusion. Alors j'ai fait une vidéo sur les modes de fusion, qui montre déjà tout ce qui est overlay, multiply, un peu tout. Je ne vais pas revenir dessus parce que ce sont aussi des bases dans les blending modes. Il faut savoir que Krita en a énormément. Je crois que c'est un des logiciels que j'ai vu qui a le plus de modes de fusion existants. Vous avez une liste ici. Alors malheureusement, la liste est tellement longue qu'elle doit descendre et sortir de l'écran. Alors je vais essayer de retailler Krita, mais c'est pas évident. Je vais essayer de le remonter dans l'interface, voilà, un peu comme ça pour qu'on puisse le voir. Oui, voilà, on a la liste complète. Et ceci, ce sont des chapitres à dérouler encore. Donc, vous en avez. Le mode de fusion, hein, c'est ce qui définit une règle mathématique de qu'est-ce qui se passe quand il y a un pixel au-dessus et un pixel en dessous. J'ai du noir au-dessus, j'ai du blanc en dessous. Bon, un mode de fusion, on va dire, allez, priorité à mettre tout ce qui est foncé en premier, tout ce qui est clair en premier. On va retrouver des grandes familles, ceux qui assombrissent, ceux qui éclaircissent, ceux qui sont sur des modes de colorimétrie. On va retrouver ces mots-là, HSI, HSV, HSY, qui sont à chaque fois des correspondances avec des façons de calculer la teinte, la saturation et la valeur. Ou la... Alors il y a toujours ce débat sur la valeur, est-ce que c'est l'intensité, est-ce que ça va être la luminance, ou est-ce que ça va être la valeur pure. Donc il y a plusieurs façons de gérer cette lumière par rapport à la couleur. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir ici des catégories qui vont refaire exactement la même chose, mais suivant des modèles différents de calcul. Et puis bien sûr, l'indice, les other, copier ce qui se passe sous le calque en dessous, copier en bleu, copier. Donc il y a une très très grande liste. Si vous en avez un que vous aimez bien, par exemple la Multiply est dans ma liste du haut parce qu'il y a un système de favoris. Si je clique dessus, Multiply, il descend de ma liste de favoris. Si je reclique dessus, il réapparaît. Addition, pareil, là, qui était tout en haut, il est là. Si je déclique, il disparaît. Ça permet comme ça à tout le monde d'avoir ses 10 blending modes préférés. Et ces blending modes, vous pouvez les appliquer donc sur des groupes. Il faut savoir aussi qu'un groupe, on peut le transformer à tout moment en un calque normal. Là par exemple, j'ai mes deux calques qui forment ce groupe-ci. Si je fais un clic droit dessus, il y a toujours convertir à un calque de peinture, à un calque normal. Donc on peut toujours un groupe le convertir comme ça. Donc on va voir maintenant une série d'outils qui sont les outils vectoriels. Et les outils vectoriels dans Krita, ben, voilà, ils sont pas non plus très chouchoutés parce que ben, c'est pas eu beaucoup de développement dans leur direction. Ils ont été un peu hérités de Carbon, mais ils proposent quand même des petites choses comme ajouter du texte, comme faire quelques formes en vectoriel. Je vais garder ce fond là et je vais faire un calque vectoriel. Alors c'est ici, hein, la petite flèche vector layer, et sur ce calque ne va pouvoir avoir que des objets vectoriels. Vous savez un peu la différence entre le raster et le vector ici. Voilà, il y a des formes qui sont un peu retracées mathématiquement avec le vector, et puis ça forme forcément des pixels, mais c'est retracé. Donc si on la ragrandit, ça va être toujours bien retracé, bien nickel. Là, c'est un gros raccourci que je fais pour l'expliquer. Et le raster qui va être une grille. Et là, si on la redimensionne, par contre, cette grille va s'adapter. Il va y avoir un peu d'un côté destructif. Donc tous les objets ici, les modes de tracé, on va dire en cercle, ligne droite, en compagnie, vont pouvoir dessiner sur ce vecteur layer. Le freehand, là, par contre, vous allez voir, ça bloque, on ne peut rien faire. Par contre, le pass-through, là, qu'on avait vu, lui, c'est le bézier, lui, il le fait. Il y en a quelques-uns qui le font. Ces objets, par contre, vous avez vu, ils ne font pas la forme de la brosse que j'avais. Ils font un petit trait fin
Et par contre, après, on peut les sélectionner, on peut les bouger. Alors, ceci, c'est assez pratique parce que, par exemple, moi, dans ma bande dessinée, même si c'est assez rustique, on va dire, ce ne sont pas des vectoriels comme ça pourrait l'être dans Illustrator ou Inkscape, avec des soustractions de formes, avec des passes qu'on peut faire, on peut s'en servir. Par exemple, moi, j'ai un calque vectoriel qui est tout en haut là, de ma BD pour faire les cases. Et là, ce sont des objets vectoriels complètement. C'est vrai que ce sont des carrés, très simples. Et ça me permet de les bouger, de les aligner sur une grille. Je pourrais les faire en raster aussi, mais comme ça, je peux bouger si j'ai envie de bouger un peu sa composition. À tout moment, un layer en vector, vous pouvez aussi le convertir en paint layer et ainsi retrouver vraiment toutes ses capacités d'édition, c'est-à-dire de repeindre dessus, etc. Donc, je ferme un peu tout parce que j'ai peur que mon Krita devienne un peu trop instable parce que je vous montre vraiment beaucoup de fonctionnalités. J'ouvre le document à droite à gauche. J'essaie de le redimensionner pour l'écran. Des questions jusque-là ? Sur la pile de calque ? Nous continuons. Ah, avec Shift, mais il n'y a pas vraiment toutes les fonctionnalités qu'on peut faire parce qu'on s'attendrait à ce que quand il y en a plusieurs sélectionnés, on puisse faire des choses à des fois en groupe, par exemple dire j'en sélectionne 3 et alors je vais vous montrer par exemple, je crois que supprimer par exemple ça existe. Alors pareil, ça c'était assez récent, donc j'ai pas été habitué à m'en servir tout simplement, hein, parce que ça faisait 3 ou 4 ans que je m'en servais, mais voilà, 3 cales comme ça, je maintiens majuscule Shift pour les sélectionner, et si je supprime ça va marcher. Il y a quelques actions qui ne marchent pas. Et est-ce qu'on peut sélectionner sur le canvas ? Ah oui, oui. Alors en même temps, non. Mais on peut sélectionner un calque sur le canvas. C'est-à-dire qu'il y a la touche R qui va amener ce color comme un picker, mais qui va permettre de faire le pick layers. Donc on va faire par exemple le jaune. Là, voilà, je clique sur le jaune, ça va sélectionner directement le jaune, et là, le bleu, ça va le sélectionner. Alors, je vais quand même essayer, non, si je combine avec Shift, ça ne va pas marcher. C'est dommage. Vous savez que les actions multicalques ne sont pas encore super développées. Par exemple, si je suis sûr que là, si je les sélectionne les trois, et que je veux les dupliquer les trois, je vais avoir simplement le dernier qui a été pris, qui va être dupliqué. Il va y avoir comme ça pas mal de petites choses. Ce qui va bien fonctionner, c'est les mises en groupe. C'est-à-dire, j'en prends 3, je les balance dans un groupe. Ça, c'est déjà très pratique. Savoir que pendant un temps, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient sur un groupe. Une propriété du groupe que je n'ai pas montré, qui est très intéressante, c'est que sur un groupe, comme celui-là, on ne peut pas peindre, mais on peut transformer un groupe, hein, CTRL-T. Et là, même si j'ai 3 calques à l'intérieur, il va me proposer ça comme une sélection, comme une transformation. Donc là, si je le tourne comme ça, que je fais entrer, il va transformer à l'intérieur, vous avez vu, tous les éléments du groupe. Alors ça c'est super pratique, c'est quand on est en train de faire une bande dessinée vraiment, où il y a les lignes noires, la couleur en dessous, du paint over au-dessus, on aime bien garder toutes ces calques, et on aime bien pourtant aussi transformer, par exemple avec le liquify, vous avez vu, c'était ce pinceau qui déforme un peu parce qu'on a une proportion qui est mauvaise. Eh bien, on prend tout le groupe et puis on transforme dessus et ça ajuste toute la pile de calques. C'est assez sympathique à faire. Ça sauve aussi pas mal de projets parce qu'on n'est pas obligé de tout aplatir pour faire sa transformation. On garde encore une flexibilité. Est-ce que ça marche un transformer sur un groupe ? Pas testé. je vais le faire, je vais le faire. Je pense que oui parce que le groupe a des propriétés qui ressemblent beaucoup à un paint layer au final. Donc on va tester. Alors là, j'ai fait Select Opaque par erreur, parce qu'avec une tablette, c'est assez dur. Alors, Transform Mask. Voilà, le Transform Mask s'est mis juste en dessous avec les autres calques. Ça ne dit rien de bon, ça. Bon, on va voir quand même. Déjà, il montre que c'est l'ensemble du groupe qui va prendre, même s'il est dans le groupe.
Et puis, ben, vu que je suis un peu masochiste, je vais lui demander quelque chose d'un peu costaud. Voilà. Ça a l'air de passer. C'est vrai que c'est bizarre parce que sur trois clones, il n'a pas voulu le prendre. Et sur quelque chose qui va être, qui va moi me sembler beaucoup plus compliqué, là, il va le prendre sans problème. Et ah oui, c'est bien ça. Donc là, je vais essayer de bouger à l'intérieur du groupe un calque. Ah, il n'aime pas. Allez. Je vais vous montrer un truc, mais voir où il en est un peu. C'est mon Pacrita qui est en premier. Non, c'est le Screen Recorder qui est en premier sur le processeur. Non, mais il n'a pas vouloir. Il veut pas, mais si je fais une transformation de ce calque à l'intérieur. Ouais, ça n'a pas l'air non plus. Ah, si. Si, ça a bien plus ou moins transformé. Mais je crois qu'il voilà, il faut attendre un petit délai de 5 secondes avant que le Transform Mask se fasse. Alors, ça, c'est quelque chose que j'avais entendu de la part des développeurs. Le Transform Mask prenait trop de ressources s'il était toutes les secondes remis à jour. Donc, il est remis à jour en cas de coup de pinceau, je crois. Voilà. Par exemple, là, je pince dessus, sur celui-là. Plus d'opacité. Faire un gros trait noir, comme ça. Et voilà. Ça, il y a un petit délai, comme ça, toujours, parce que sinon, il mettrait vraiment l'ordinateur trop à plat. Là, j'ai fait une ligne droite, hein. Si on le défait, c'est ça en fait le vrai dessin. Là, c'est la déformation. Par contre, je vais essayer, voilà. Si on refait CTRL T sur le Transform Layer, on retrouve sa transformation où elle en était. Donc on peut la réajuster. Ça, c'est cool. C'est impressionnant. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour de la pile de calques. Alors, il y a deux, trois autres options hein, pour aplatir toute la pile, la dupliquer. Les styles de calque, je les déconseille pour l'instant. Si vous êtes familier de Photoshop, vous vous trouverez vraiment à la maison. Alors, je vais montrer avec une forme jaune, une toute petite... mais on ne va pas s'attarder sur l'entièreté parce que je ne les trouve pas optimisées pour l'instant pour la production. Des bêtises avec la tablette, désolé. Je vais faire simplement un rond jaune sur un fond blanc, hop, et ajouter un style de calque. Alors le style de calque, ça va être un effet aussi qui est dynamique, par exemple une ombre portée sur ce rond jaune. Enfin, jusque là, ça va, les ombres portées, il le gère assez bien. Si je peins, ça fait une ombre portée. Il va y avoir donc des effets d'embossement, des effets de lumière autour, un peu, de dégradé autour de la forme. Mais dès qu'on va vouloir commencer à bouger le calque, on va s'apercevoir que ça va être de plus en plus lourd. Et alors, dès qu'il y en a deux ou trois sur un projet, là, ça va être complètement des temps de rafraîchissement assez forts. Il paraît qu'il y a eu une optimisation de folie qui a été faite avec le level of detail, le fameux LOD qui a été pris par le Kickstarter, qui doit être dans le code depuis simplement une semaine, j'ai pas encore testé. Et tout le monde dit que voilà, les calques de layer style se rafraîchissent à la vitesse, une vitesse impressionnante. Donc j'ai beaucoup d'espoir de les utiliser après. Voilà, on peut revenir dessus, redéfaire, et le petit FX qui était là va partir. Donc c'est tout pour la pile de calques. On a vu les petits vector layers, l'outil texte. Oh là là, l'outil texte qui est ici. L'outil texte qui est ici est assez mauvais et je ne pense pas qu'il va fonctionner chez vous. Par défaut, c'est le texte artistique. Donc on fait le petit carré qui va définir la taille de la première lettre et ça va marquer artistique texte. Là, on peut le transformer en ce que l'on veut. Le bouger comme un du vecteur. Donc lui faire une rotation, le bouger comme ça. Les tool options vont vous montrer tout ce qui est d'un objet. Alors, je vais essayer de recadrer encore Krita parce que je ne sais pas pourquoi son interface s'est détendue. On va voir par exemple la couleur,
de l'objet vectoriel, s'il a des lignes de contour, si oui, de quelle couleur. On va retrouver à peu près tout ça. Voilà, une ligne à pointe, non, des lignes pointillées. Ce sont des options assez classiques d'outils vectoriels, mais qu'on va retrouver quand même. Ça marche surtout sur les cercles, sur les lignes droites, sur tous les calques vectoriels, hein, sur tous les objets. Et là, le deuxième outil texte qui est caché, c'est quand vous avez le T, c'est ici dans les Tool Options, c'est le Multiline. Et là, ça va vous faire une boîte où vous pouvez, ouais, où vous pouvez taper dedans. Moi, si je tape le H, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas aujourd'hui. Ouais, c'est une boîte de texte. Alors, elles sont réputées pour être impossibles à rentrer en édition avec la tablette, c'est surtout ça. Et on peut rentrer, taper son texte, et on va avoir des options qui sont assez classiques, hein, de la case à droite, à gauche, centré, la taille de la typo, mais qui restent assez, assez sommaires par rapport à d'autres logiciels qui pourraient vraiment gérer du texte. Par exemple, moi pour ma petite bande dessinée, pour tous les textes, j'ai dû faire la couche de texte sur Inkscape à côté, parce que avec le nombre de langues que j'ai, je ne pouvais pas me permettre d'utiliser le moteur interne de Krita. Toutes les langues de gauche à droite, qui utilisent des caractères spéciaux, je ne pouvais pas. Et puis j'ai la bande dessinée qui est traduite en 25 langues, je crois, maintenant. Et donc c'est assez dur à gérer dès qu'on arrive sur des choses comme ça, par exemple. Je crois que c'est le signalard qui peut poser problème, par exemple. Voir sur l'épisode 3, je crois qu'il a été traduit en Sinhala. Très joli, très très joli. C'est une langue mais qui va être parfait vraiment pour le moteur interne de Krita. Mais bon, pour la langue latine, même avec les accents, ça passe. Donc pour des petits projets, ça va. Par contre, si vous voulez faire une brochure complète sous Krita, parce qu'il y a les textes, vous risquez de galérer. Parce que vous n'allez pas pouvoir chaîner, par exemple, deux boîtes de textes comme ça. C'est-à-dire faire un remplissage et là. Les CTRL-V, CTRL-C vont être assez hasardeux pour recopier vos sources. Le re-rentrer en édition, comme ça, de la boîte, de resélectionner, de refaire un CTRL-C, CTRL-V en interne, va fonctionner. Par contre, dans les choses qui ne vont pas fonctionner, c'est sur certaines cartes graphiques, vous allez avoir des sélections qui vont rester un peu sur le dessus. C'est-à-dire toujours des sélections qu'on ne va pas pouvoir se débarrasser là-bas. Comme ça, ce mot-là, là, ça va, mais sur certaines cartes graphiques, ça va rester sélectionné comme ça. Et puis, même si on la bouge, si on fait ça, on a toujours ce truc de sélection qui reste. Donc, l'outil texte a besoin de développement. Les développeurs le savent. C'est simplement encore dans cette séparation avec cette suite Caligra. Et ils comptent le refaire complètement l'an prochain. Il paraît que 2016 sera l'année des outils vectoriels et du texte et de tout ça dans Krita. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui dessinent qui sont intéressées par avoir des outils vectoriels et des calques vectoriels qui soient un peu plus performants. Ça se comprend. Donc il y a d'autres outils, calligraphie aussi sur les calques vectoriels qui font ce genre de tracé qui lui-même est vectoriel. Hein. Et si vous n'avez pas de questions sur les calques, mais voilà, on peut passer directement aux brosses. Et là, ça va être le corps principal de Krita. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, parce que c'est un peu plus rigolo. Et surtout, c'est là aussi que vous allez pouvoir intervenir en tant que dessinateur, un peu artiste, si vous voulez faire vos propres pinceaux, votre propre collection, les ajuster à vos besoins. Pour les calques, alors, je vais faire un nouveau. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas montré avant de faire les brosses. Parce que là, je viens d'y penser. Et là, vraiment, s'il y a des personnes intéressées par la 3D ici, c'est sacrilège de ne pas l'avoir montré. Et je sais qu'il y en a qui sont intéressés. Ça va être le Warp Mode. Je ne sais pas comment il s'appelle. Wrap Around Mode. Moi, j'appelle Warp comme déformé maintenant. Wrap around, c'est emballer autour. Et on va pouvoir l'activer avec W ou par le menu que je montrais là dans View. C'est simplement une prévisualisation, c'est-à-dire que ça va, là si je fais un carré jaune hein, sur mon,
mon canevas. Si j'appuie sur la touche W, je vais avoir ce canevas répété partout, comme ça tout autour. Alors ça, c'est pour ceux qui font des textures. Vous allez pouvoir peindre partout. Et vous gérez là où ça se relie. Et tout ça va fonctionner avec le miroir, pouvoir prévoir comment ça donne, la rotation, comme on a vu avec les touches du clavier numérique, ou Shift Espace, et le zoom. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir un peu toute notre texture, si on fait une texture, où elle en est. Si je veux ne plus l'avoir, oui. On peut ajouter des layers avec un autre scale. Oui. Avec autant, on peut faire les clones, on peut tout faire normalement. Normalement, ça c'est voilà. Donc, si je mets W, voilà, on voit mon original qui est là, toujours W pour le faire disparaître, pour revenir un peu là où je suis. Là, j'ai un petit 512. J'ai fait exprès de faire une petite chose parce que je comptais zoomer et puis vous montrer comme ça et puis filmer à faire montrer le truc. Mais on peut tout faire et même il y a des outils qui vont avoir des propriétés très impressionnantes dans ce mode-là. Donc je vais repeindre tout ça un peu en vert, on va faire comme si c'était un gazon. Voilà, ça va très vite. Hein. On va y mettre une petite texture dessus. Je garde la sélection sur tout parce que ça me permet de voir où est mon original. C'est simplement sinon parce que je pense à me perdre un petit peu dans ce mode-là. Je vais prendre un petit aérosol et mettre un tout petit peu plus foncé. Gérer une petite texture à l'arrache. Voilà, par exemple. Et au-dessus, je vais faire un autre calque et je vais dessiner par exemple un petit champignon. Alors, je vais y aller comme un bourrin. Allez, je m'attache un petit peu. C'est la saison, j'aime bien en plus. On va faire même une petite ombre en dessous. Je l'écrase, comme ça, voilà. J'ai un petit cac avec le champignon. Et je vais garder justement cette limite. Hein, qu'on voit bien où est la texture originale et où est le... Et l'outil qui va être assez impressionnant, c'est par contre cet outil pour bouger, hein, la translation, là, celui-là, les flèches. Si je le prends, lui il va garder, donc ici on va pouvoir bouger, mais il va pouvoir bouger même à la limite. Alors sauf si, bien sûr, j'ai la sélection. Alors voilà, si je le bouge à la limite, il va être là sur la limite. Et si je redéfais W, vous voyez ce qui s'est passé? Il se sera complètement dupliqué de l'autre côté. Et ça, c'est assez cool, parce que je travaille sur deux ou trois textures, deux ou trois fonds de site qui se répètent et tout. Et à des fois, on a des éléments, ben, on voudrait les pousser dans des coins. Ça, c'est assez sympa. Parce que, ben non, on peut le remettre en plein milieu de notre texture. Et même si c'était un bout qui était complètement éclaté, il redevient comme ça sur notre projet. Alors, c'est sûr, ça en a créé peut-être deux sur le calque. Dont un en dehors, mais bon. Oui ? Vous avez une question peut-être pour les layers ? Oui ? Est-il possible de jouer sur l'opacité du calque indépendamment de l'opacité que vous avez fait du calque ? Imaginons que j'ai un stroke autour du cercle. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen que je joue sur l'opacité du cercle même sans atténuer l'opacité du stroke ? Oui, alors le stroke dans ce cas-là doit être fait par un layer FX. On a vu un style de calque. Oui, alors est-ce que, en gros, est-ce que le style de calque, là, dans ce cas-là, un strokes, alors ça veut dire simplement une ligne de contour, peut avoir une opacité différente que son contenu? Et oui, je l'ai vu tester, alors c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, hein, je vais peut-être me planter. Faisons voir, donc là je vais faire par exemple, un petit cercle
On va faire un petit cercle, j'ai une petite scène bucolique maintenant, je fais une petite marguerite. Bon. Je l'ai fait à base de cercle, j'aurais dû prendre le pinceau, mais bon. Voilà, je vais faire cette petite marguerite. Cette marguerite va être en marguerite un peu invisible du monde des morts. Elle est à 30%. Je vais essayer de lui faire un strokes dessus, un contour, qui lui va être à 100% noir. Donc on va voir avec le layer style. À chaque fois, je fais le select opaque avec ma tablette. Excusez-moi, les select. Je maintiens bon. Layer style. Et là, il y a le strokes qui est ici. On va voir qui fait ce contour. Alors, et là, on voit que ça ne marche pas. Donc, dans ce cas-là, même si je le mets à 100%, non, c'est vrai que le strokes va hériter de l'opacité générale du calque, dans ces cas-là. Et la seule chose à faire, à mon avis, ça serait de mettre le mettre dans un groupe. C'est-à-dire que je prends ceci, je le mets dans un groupe. Lui va avoir son opacité. Alors, je vais dans le layer style, je vais lui défaire le strokes. Lui garde son opacité, mais le groupe sera toujours à 100%. Et le groupe... Et le groupe, par contre, si je fais le layer style dessus, je crois que lui va le prendre, voilà. Voilà, il le prend comme ça dessus. C'est pas non plus super, mais parce que le strokes va et dedans et derrière, voilà, et dessus. Donc bon, je sais pas si c'est... On voit que la partie qui va dedans quand même hérite de la fleur. Il faudrait que je retourne dans les layer style et que je lui demande de faire que la ligne outside. Normalement, il est censé y être. Et là, pourtant, il ne montre que center. Et bien, le center, c'est outside, voilà. Mais ça n'a pas l'air à 100% noir, ça. Hein. Ça m'a l'air d'avoir aussi hérité de quelque chose. Je crois que simplement c'est à 75% de base. Voilà. Donc oui, il faut mettre le calque dans ça, dans un groupe. Le groupe à 100%, le calque peut avoir 30%, et le calque, on peut, comme ça, jouer l'opacité que l'on veut dans le groupe. Mais j'aurais pensé aussi que le style de calque aurait sa propre autonomie. Ça m'a aussi... Voilà. Merci. Donc, j'en étais sur ce champignon, maintenant. Ah oui, sur la touche W. Et on va retrouver tous les outils dessus aussi. Hein. C'est-à-dire que le multi-brush, là, ça va un peu la mettre à bas ma machine. Mais... Voilà. On va faire cet outil qui faisait un peu le style mandala. Va se retrouver un peu sur la totalité. Et une nouveauté de la dernière version, c'est que vous allez avoir la possibilité d'utiliser CTRL n'importe où sur l'écran, c'est-à-dire de prendre cette couleur d'ombre. Avant, ça ne marchait pas, à moins que vous soyez sur le référent. Ça aurait fait du gris, parce que là, c'est gris, c'est le tour du canevas. Donc maintenant, on peut prendre cette couleur-là et peindre ici quelque chose. J'ai pris encore un bel pinceau, celui-là. Et peindre quelque chose, et reprendre celui-là, et repeindre par exemple ici, et prendre cette herbe-là, et peindre par exemple par là. Donc ça devient beaucoup plus fluide comme façon de travailler, on peut se balader, et dire, ah oui, mais là, bon, cette herbe-là, elle n'est pas très bien, et ainsi de suite. Mais moi, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas vraiment fait de très grosses textures avec, ça a toujours été des petites textures de petits projets, et surtout des fonds de sites ou des fonds de brochures ou ce genre de choses-là. Un peu bizarre, une herbe rouge. En tout cas, c'est une des fonctions assez reines là-dessus. Voilà. Oh, c'est beau. Hop. Oui. Est-ce que c'est possible à un moment, c'est... Vous
champignon. Oui. Et après, on veut que le champignon-là soit plus de cette couleur-là, soit plus ainsi. Est-ce que c'est possible après de... Alors, oui, il y a quelque chose de possible à faire, mais dans ce cas-là, on va forcément passer par un peu de destruction. C'est-à-dire que, bon là, mettons que j'ai cette chose-là qui me plaît, je vais devoir passer par Gimmick, donc qui a cette collection de filtres, et il y en a une, Teal, je crois, hein, qui est dans Aura and Teal, qui va permettre de... Layer to Teal, voilà, je crois que c'est ça. Alors, mais, il va falloir que je mette une petite valeur, 2 et 2. Par exemple, c'est pas ça, excusez-moi. En tout cas, l'idée va être de faire une version où il y en aura 4 qui vont déjà être existants pour les altérer après. C'est assez manuel finalement. Et donc, j'avais trouvé une méthode avec Gimmick, mais il a tellement de filtres et il est mis à jour que ça fait assez longtemps que j'ai pas essayé. Je crois que c'était celle-là, hein, Layer to Tiles. Et je mettais 2 et 2, et quand j'appliquais, j'avais rien. En fait, non, voilà, j'avais la chose qui se répétait. Il y a peut-être quelque chose là qui ne fonctionne pas, mais j'avais la chose qui se répétait. Il y a une chose qui existe, par contre, qui a été faite parce qu'il y a un artiste qui travaillait beaucoup autour de Krita et qui faisait beaucoup de sprites. Et lui, c'était des sprites isométriques, un peu comme ces jeux où on a une armée et puis il y a des petits châteaux, et puis voilà, il designait ça. Et il se retrouvait donc avec des petits terrains. Alors, je vais reprendre un pinceau plus fin. Il se retrouvait avec des petits terrains comme ça, vous savez, à 45 degrés. Et il avait besoin de vite fait voir quand il faisait un carré d'herbe, même comme ça. Ben, comment ça pouvait donner sur une plaine, par exemple, hein, sur quand le joueur n'a que ça partout. Et ce qu'ils avaient trouvé, c'était assez sympa, c'est qu'on avait dans, je crois, Layer Clone Array. Donc là, c'est un peu, ceux qui connaissent les arrays en 3D, c'est à peu près la même chose. Et là, on se retrouve avec ce genre de dialogue qui va proposer le nombre de clones à faire. Donc c'est une sorte d'assistant pour créer des clones de calque. Donc là, 2 et 2, je mets d'accord. Et voilà, on va se retrouver avec des clones ici, donc un groupe qui l'a fait automatiquement, et des clones dedans de mon calque. Donc là, il pouvait réajuster, on va dire, ses calques. Là, j'en ai mis que 2 et 2, j'aurais dû en mettre beaucoup plus. Et comme ça, même en isométrique, ça lui permettait de continuer à peindre et à voir ce que donnait... ce qu'il avait à faire entre une barrière ou quelque chose, et sur un autre, ce que ça donnait, quoi, pour bien les relier, par exemple. Et je sais que ça leur a fait beaucoup gagner de temps en production, parce qu'ils faisaient des petites tiles isométriques comme ça, sous Blender déjà, avec des blocs, et ensuite ils revenaient les peindre par-dessous, sous Krita, pour leur donner un aspect un peu plus gai, sympa, des petits détails. Et ils avaient la possibilité de les prévoir, et avec des fichiers... Krita déjà construit comme ça, avec ce système de clone, il pouvait même supprimer un calque, comme ça, par exemple un de Backspace, et venir lancer avec un drag and drop un autre petit tile et le voir comment ça le fait. Donc on peut se servir vite fait d'une pile de calques pour pouvoir faire une sorte de système de prévisualisation. Ah, les clones, c'est quand même quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces clones? Donc on bouge aux brosses, comme ça, c'est un très gros morceau, les brosses dans Krita. Alors, déjà, vous avez vu un peu jusque-là, on est obligé de s'en mêler un petit peu. À chaque fois que j'ai utilisé une forme, j'ai dit « Ah non, c'est pas la bonne brosse, bon. » Oui, chaque mode de tracé, le rond, le machin, on peut utiliser tous les types de pinceaux qu'il y a. Et, vous avez vu un peu dans les brosses par défaut, il y en a un petit paquet. Et il faut savoir qu'ils sont réduits. C'est-à-dire que celui qui maintient les brosses, je sais qu'ils
Son but, c'est que ça soit de la même, d'une version à l'autre, les mêmes brosses, pour que les personnes puissent s'habituer à dire ça, c'est ma brosse, j'aimerais bien la prendre comme base pour la modifier et pour les passer. Je trouve ça, ça très admirable. Et les brosses sont surtout là aussi pour démontrer les capacités de Krita. Vous n'êtes pas obligé finalement d'utiliser ces brosses. C'est un peu de la démo. C'est pour ça qu'on va avoir des brosses un peu spéciales. Il y a beaucoup de personnes, je vois dans les vidéos YouTube, qui font la première prise en main. Qui disent « Ah ouais, ben on a des trucs, c'est quoi ça, qu'est-ce que je peux en faire ?» Mais pour certains artistes, ils vont s'y retrouver dedans, et puis c'est surtout sur les personnalisations qu'on va pouvoir faire de ça. Pour comprendre les brosses, il faut comprendre les moteurs de brosses. C'est-à-dire que les brosses, hein, on va avoir... Je vais prendre un pinceau les plus simples possibles, je crois que c'est celui-là. Basic Circle, je crois, voilà, il a déjà le nom le plus simple de la Terre. Je vais me mettre à 50% si c'est le zoom que j'ai de mon canevas, avec la touche plus, moins, mon petit truc qui me le rappelle, 50%. Vous aussi ici, hein, je peux avoir tous les zooms. C'est assez bien fait pour naviguer. Et donc, je vais montrer un peu un pinceau, son anatomie. Donc ici, vous avez l'icône pour pouvoir personnaliser les pinceaux. Et comme vous voyez, l'interface pour ça est tellement grande que ça va être difficile, même en démo, et ça c'est totalement assumé. Ce dialogue-là, il y a beaucoup de projets de le refaire, de le revoir et tout, mais il y a tellement d'options que c'est très difficile. Donc je vais essayer de faire ce que je peux. Alors, je vois qu'on en voit déjà une bonne partie. Donc il va y avoir des démos qui vont revenir, dont vous pourrez connaître déjà. En spacing, ça va être l'espacement qu'il va y avoir entre les coups de petits pinceaux. Alors il faut savoir qu'un pinceau numérique, c'est pour ça que je le montre comme ça, un pinceau numérique, surtout sur ce moteur-là, va être fait de plein de petits ronds qui vont se suivre, avec des espacements plus ou moins. C'est vrai qu'on est loin du vrai pinceau avec ses poils, avec son manche en bois et tout. Mais si jamais la forme, au lieu d'être un rond flou, là je peux dire que c'est un rond dur par exemple, hein, ça se voit encore mieux. Ces trucs espacés. Si jamais, au lieu de cette forme-là, je décide, au lieu de automatique, qui va être une forme, dans l'automatique, vous allez avoir la forme en circulaire ou la forme carrée. La forme carrée qui est un peu petite, hein. Je vais vous montrer peut-être. Non. Ah oui, parce que je vais mettre en défaut, voilà. La forme carrée, et là vous allez avoir exactement la même chose. Ça, c'est ce qu'on va appeler les automatiques. Carré, le rond, on n'a pas besoin vraiment d'aller plus loin de développer ça. Par contre, dans les prédéfinis, on va pouvoir substituer ce carré ou ce rond par une petite image. Alors ça, c'est une petite image indépendante, hein, ça va être elle peut être sur votre disque, vous pouvez la créer vous-même. Et cette petite image, Krita vient avec une petite collection de ces petites images. Par exemple, là, il y a une sorte de petite étoile. Si je la sélectionne, tout d'un coup, je vais avoir... Je vais pouvoir peindre avec des petites étoiles. Plus ou moins utile, bien sûr. Hein. Ce qui va être plus utile dans les prédéfinis, ça va être celles qui vont ressembler un peu à ces nuages de points. Parce que ça va justement ressembler à le contact qu'un pinceau, les poils d'un pinceau vont faire sur la feuille. Parce que c'est des petites tiges, alors quand elles vont aller sur la feuille, ben, ça va faire l'impact de ces petites tiges. Et effectivement, quand je vais dessiner, vous voyez, ça va faire plutôt les fils continus d'un coup de pinceau. Alors là, bien sûr, on va dire que c'est un pinceau quand même très spécial pour avoir l'encre qui se mélange pas, qui fait comme ça, mais c'est l'esprit. On peut aussi peindre avec du texte. Alors là, ça, pareil, jamais utilisé, mais bon, pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai qu'il faut mettre la taille du texte. Pour ceux qui sont fans de faire des petits... À la limite, il y a certaines fontes, des polices d'écriture, comme le WebDings et tout, qui font des petits symboles. Ça peut être sympa, des fois, sur certaines textures, d'en placer. Pour abîmer des textes, pour faire l'effet tamponné, pourquoi pas. Donc, la petite image, ou bien le mode automatique. Et ça va être vraiment le cœur de notre premier moteur de brosse. Parce que ça, c'est simplement une façon de faire... C'est-à-dire des petites images qui se répètent ou en mode automatique, qui va s'appeler le Pixel Engine.
qui est là. Mais si je passe au Color Smudge Engine, lui, il n'est pas si différent que ça dans son aspect, il est toujours auto et prédéfini, mais il va avoir quand même d'autres options pour mélanger avec la couleur qui est sur le canevas. Donc on va avoir quelque chose de différent. Le premier, déposer des pixels, plus ou moins opaques, quoi qu'il se passe. Celui-là, bah, il va en déposer des pixels, mais il va aussi s'interroger sur quelle couleur il y avait en dessous. Est-ce que je dois le mélanger? Est-ce que je dois faire? Bien sûr, il prend peut-être un peu plus de ressources. Voilà, ça c'est des choses. Tangente normale, c'est un très nouveau que je ne saurais vous décrire encore. Je ne me suis pas penché dessus et ce n'est pas dans mes intérêts. Je suis désolé, je m'en excuse. Bristol, c'est un mode automatique qui essaye de faire un peu les coups de pinceau. Alors, par contre, je crois qu'il a été designé et moi je trouve que c'est son grand problème pour être utilisé à 100% parce que les coups de pinceau sont vraiment subtils et font qu'un pixel d'épaisseur. J'ai demandé si on pouvait épaissir le pixel d'épaisseur, on m'a dit non. Bon, quand on travaille à haute résolution, ça devient un peu obsolète. Ils ont mis quelques... Vous voyez, à chaque fois que je sélectionne un moteur, les brosses par défaut qui correspondent à ce moteur apparaissent au-dessus. Ça aide à se faire une idée de qu'est-ce qu'elles font, ces brosses. Alors là, par exemple, pour le Bristol, vous voyez, ça fait des lignes, là, je suis à 100% pour les voir. C'est intéressant, hein. Vous pouvez avoir un côté calligraphique avec, mais dès qu'on travaille dans les 33%, ça va être un petit peu plus difficile à les voir. Moi, je trouve que ça grésille, ça va faire un peu des problèmes de aliasing. Le shape, alors le shape, j'aime beaucoup, parce que, ben, voilà, il a été mis aussi dans Krita pour mes propres besoins, donc voilà. C'est très flatteur toujours. Et le shape, vous allez pouvoir faire simplement une forme de contour. Là, vous faites un vaste et vous avez toujours un rayon qui va rejoindre la base. Il y avait un programme qui s'appelait Alchemy, que j'étais gros fan, voilà, que j'ai aimé montrer dès 2009 en vidéo. Et quand l'équipe de Krita a décidé de booster un peu Krita, ils se sont dit, bon ben ah oui, il aime bien ça, bon ben ça doit faire partie d'un logiciel de peinture numérique et je suis très content de l'avoir. Parce que ça permet aussi, si on le couple, ce genre de preset-là, là, c'est le petit logo d'Alchemy d'ailleurs, hein, la petite potion verte, le clin d'œil qui est repris. Si on le couple à des outils comme le cercle ou comme le carré, vous obtenez des formes assez parfaites. Donc ça aussi, c'est un moyen un peu de... avec le Bezier Tool, de placer des formes assez rapidement. Quand vous avez dans le brush preset, il est assez facile à trouver avec sa tête. Moi, ce que j'aimais bien faire avec, c'était en mode freehand à l'époque, c'est-à-dire en mode tracé libre comme ça, et c'était en mode symétrie. Donc là, il y a des petits raccourcis pour la symétrie qui font à peu près pareil que ce qu'on a vu pour le multi-brush. Sauf que c'est des raccourcis parce qu'il y a des personnes qui l'utilisaient, et ça me permettait justement de faire ces formes directes et de commencer directement à jouer dessus pour avoir des concepts qui arrivent très rapidement à l'écran. Symétrie, pas symétrie, beaucoup de controverses sur est-ce qu'il faut commencer à par dessiner en symétrie ou pas. Moi, je trouve ça toujours rigolo, donc je m'en prive pas. Je trouve que c'est un très bon outil de sketch. Et justement, sur les outils de sketch, ça va nous mener à notre... Il y a beaucoup aussi de expérimentaux, moi, je trouve. Hein. De moteur de brosse. Celui-là, c'est le spray. Donc, il spray des petites boules. Alors, on peut l'obtenir avec un pixel brush, mais celui-là a aussi d'autres facultés. Par exemple, la forme du spray... Excusez-moi, spray shape, voilà, on peut demander à la place des petites ellipses, des petits rectangles ou une image. Et là, si on donne un dossier avec plein d'images, il va pouvoir faire un spray de toutes les petites images du dossier. Il y avait une démo avec plein de petits visages, hein, de petites photos de profil comme ça, et puis on spray. Bon. Ça peut être très créatif, il y a des moteurs de brosse qui ont été aussi développés parce que pourquoi pas. Il y avait le pourquoi pas, plus que par utilisation à certaines époques. Faut savoir que Krita est très vieux. Très vieux comme logiciel, hein, très ancien. Hatching, alors celui-là je l'aime bien parce que
On va pouvoir avoir ces hachures et on va pouvoir définir, ici dans les hatching options, l'angle, la séparation, c'est-à-dire le blanc qui est entre les deux, l'épaisseur, leur origine, si c'est perpendiculaire, si c'est... Et on va pouvoir avoir des motifs. Si on s'en sauvegarde une paire, on peut avoir des effets assez impressionnants pour la bande dessinée noir et blanc, que j'aime bien, pour avoir des effets de moiré. Grid va être à peu près dans le même esprit, d'ailleurs ça a été fait à peu près par le même développeur, je crois, à l'époque, Tanis. Et voilà, ça fait une grille de petits points, mais qui est totalement paramétrable encore. La taille de la grille, le nombre de divisions. Curves. Alors, ça c'est toute une autre série qui imitait un logiciel qui est, je crois, sorti en ligne en premier, qui était Harmony. Et qui faisait ces petits fils là, comme ces petits fils d'araignée, entre les coups de pinceau pour venir adoucir les angles. Alors sur celui-là, Curves, c'était un des modes, et c'était surtout le Particle, je vais revenir sur le Dina après, sur celui-là, qui permettait que quand on se repasse sur son trait, dans les angles, d'avoir aussi cet effet-là. Il y a beaucoup, beaucoup de brosses, elles sont toutes là, sur ce mode, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui aiment bien faire des croquis avec. Je trouve ça assez sympa, pourquoi pas, j'aime bien. Ça permet d'avoir un effet comme s'il y avait de l'encre liquide qui avait rejoint un autre trait. Des fois, vous avez vu ça, si vous avez fait de l'encre stylo à plume, eh bien, il y a une sorte de magnétisme que les gouttes essayent de se fusionner. On va retrouver un peu ce plaisir-là. Enfin, un crocodile Man in Black. On va retrouver cet effet-là, et beaucoup, beaucoup d'artistes aiment bien. Il y a beaucoup de presets, puisque celui qui maintient les brosses de Crital, elle l'aime beaucoup et sketch beaucoup avec. Le clone. Alors ça, pareil, on va croire que c'est un outil qui manque de Photoshop dans les outils. Ça permet de prendre une source avec CTRL, par exemple ici, et de peindre cette source sur l'endroit. Alors, sauf que là, on va pouvoir l'utiliser, bien sûr, avec tous les modes de tracé, c'est-à-dire faire la source avec le rond, ou bien même avec les multibrosses et tout. C'est encore toujours cette idée qu'il y a la façon de tracer et presque le mode de tracer, que ce soit la gomme ou le clone, qui vont venir après, ou le dodge, ou tout ça, qui vont être des outils séparés dans d'autres solutions. Je supprime tout. Déforme. Alors, il faut avoir quelque chose à déformer. Je voulais montrer, c'était de faire un peu du flou. Alors, déforme. Qui permet de déformer un peu de déformer comme ça sur le canevas. Pardon. C'est un peu comme Liquify, sauf qu'il est destructif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une passe, c'est comme si ça faisait le rendu en même temps, et donc c'est assez destructif. Le Liquify, on fait plusieurs coups, on pousse les masses, on pousse, et après on rend, et donc tout garde un aspect. Là, on va ça un peu flouter. Il y a beaucoup d'options avec, hein, des options pour pousser, pour... alors c'est les Deform Options, en Swirl, c'est-à-dire en faire un peu la tornade, là, le côté comme ça. Plein de façons de pousser les pixels, que ce soit les pousser comme ça, en tornade, de façon concentrique, de façon poussée. Ça va être le déforme. Je crois que j'ai sauté le Dina, qui s'appuie encore sur le principe d'orbite. Vous savez, ce que je vous avais montré avec cet outil-là, que je ne suis pas très fan. Bon, pourquoi pas. C'est-à-dire que la vitesse, je fais un petit cercle, et si je fais plus de vitesse, eh bien la force va permettre à la brosse de bouger tout autour. C'est expérimental aussi, beaucoup de choses expérimentales. Pour savoir, 99% de mes peintures sont faites qu'avec Pixel et Color Smudge, moi. Ce sont des moteurs de brosse. Filter, elle va être un peu intéressante, dans le sens que ça va permettre de peindre avec les filtres de Krita.
Alors, on n'a pas vraiment vu les filtres, mais parce que c'est assez classique dans toutes les solutions. Vous avez les filtres comme le flou, comme luminosité, contraste, les niveaux. Là, vous allez pouvoir peindre avec, avec ces filtres. Donc, il faut définir le filtre que l'on veut. Par exemple, je vais en prendre un qui ne va pas mettre ma machine à plat, parce que ça prend beaucoup de ressources. On va reprendre encore ce Gaussian Blur, le flou gaussien, voilà, avec un gros... Là, je suis pas sûr que ça va marcher. Hein, parce que... Et je vais essayer de passer ça au flou, voilà. Ça va marcher quand même. Mais là, je suis déjà en train d'essayer de peindre cette zone-là. Et voilà, on voit en bas là qu'il y a une sorte de barre de chargement, Freehand Brush Stroke. Il calcule, hein, parce que ce sont des filtres derrière, des filtres... Et donc, pour donner des coups de pinceau, il faut avoir une machine plutôt solide pour faire les filtres. Mais bon, il y a pas mal de filtres qui sont valables pour faire des effets destructifs ou tout. Mais moi, je préfère utiliser, pour ce genre d'effet-là, un calque noir et blanc, comme on a vu, où le noir n'a aucun effet, où le blanc, les coups de pinceau en blanc vont avoir plein d'effets, et faire le filter mask. Bon, ça, c'est la méthode destructive. Et Shalks. Alors, Shalks qui veut dire craie, qui n'est pas vraiment comme une craie, mais qui fait un peu comme le sumilieu, plein de petits points qui vont simuler. Ça va bien marcher à 100%. Hein. 100%, c'est presque crédible. Alors là, pareil, la taille. Et il va y avoir quelques options. Je ne vois pas d'ailleurs. Je croyais qu'il y avait plus d'options que ça pour pouvoir la taille des grains et compagnie, mais il a l'air assez atrophié comme moteur. Pas beaucoup d'options. Donc ce que l'on va faire principalement, ce sont des brosses de pixels. Ce sont ces brosses où on choisit un embout, comme ça, et puis on va pouvoir peindre avec. Donc une des choses qui se remarque très vite sur, par exemple, la brosse que j'ai là, c'est que quand j'appuie pas beaucoup, ça fait pas beaucoup d'opacité, et quand j'appuie beaucoup, ça fait beaucoup d'opacité. C'est un grand classique, mais comment c'est paramétré derrière? Comment on peut y avoir accès? En fait, ça va se passer ici. Alors là, c'est... ça va être un peu difficile. Je vais essayer de... Tout en bas, si on fait un clic droit, on peut faire « Detach from toolbar ». Voilà. Et on va le rendre, ce dialogue-là, un peu indépendant. Comme ça, je peux le monter pour vous montrer les options. Je vais aussi essayer de faire « Show Scratchpad », voilà, qui est cette partie-là. Cette partie-là de Krita n'est pas très bien optimisée pour les conférences. Donc je disais, on avait, et là je vais pouvoir passer comme ça de l'un à l'autre pour vous montrer, cet effet, pas beaucoup d'opacité à beaucoup d'opacité. Et ça, on est dans la brosse pixel, on va la voir ici, dans l'opacité. Alors l'opacité n'a pas de petite case à cocher comme toutes les autres, parce que forcément une brosse a une opacité. Que ça soit 0 ou que ça soit 100%, elle en a une. Donc par défaut, c'est comme si c'était tout le temps coché, au lieu de mettre tout le temps coché. Ce sont des choses qui sont... on n'a pas mis la case à cocher. En opacité. Et là, on va voir que pour l'opacité, on va donc autoriser le Enable Pen Setting, c'est-à-dire que j'autorise un peu de me servir des événements qui viennent de mon stylet. Et je veux que ça soit la pression. Donc là, je clique sur la pression. Et là, nous avons cette courbe. Alors, qui est un peu... familier avec les courbes comme ça. Ça va? En général, oui, voilà, j'ai pas besoin de refaire un peu sur ce que c'est. Donc, juste, hein, là je vais faire une courbe comme ça. Moins j'appuie, moins j'ai des hautes valeurs, plus j'appuie, plus je reviens. Donc, comme ça, je vais avoir un peu plus de contrôle. Alors, je vais la baisser. Et voilà, là je vais avoir un meilleur contrôle pour moi pour les petites valeurs que là. Alors que là, je montais directement très vite. Non, c'est beaucoup plus régulier, mais ça c'est dû parce que je connais sur ce modèle de Vacom
comment les ingénieurs à l'intérieur ont la propre courbe à l'intérieur. Pour montrer que c'était un. Chaque tablette a sa propre courbe dans le stylet, sa propre sensibilité. Il y en a où on va appuyer un tout petit peu, ça va faire vraiment beaucoup de pression. Il y en a qu'il va falloir appuyer très très difficilement. Et ça, c'est un modèle qui va avoir beaucoup d'effets tout de suite. Donc il va avoir besoin de courbes comme ça, qui montent très 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 progressivement pour pouvoir profiter de la sensibilité. Alors dans Krita, il y a moyen de faire une courbe générale. On va aller dans Settings, Configure Krita. Et ici dans Tablette Setting, j'ai une grande courbe et là je vais pouvoir faire la courbe de ma tablette. Je sais que c'est une tablette qui est un peu dure de la feuille, donc qui a besoin comme ça d'une force. Ça m'évite, sur toutes mes brosses, d'avoir à refaire cette courbe-là. Comme ça, quand je les partage, les brosses, je peux faire quelque chose de linéaire et toujours avoir le contrôle que j'aime bien. Parce que maintenant, il est global sur toutes les brosses. C'est par rapport à cette force de pression que je parle. Donc, j'ai fait un article sur mon blog, vous pourrez le trouver, sur calibrer la pression des stylets, qui explique pourquoi, comment faire, comment trouver cette courbe de votre tablette et comment être plus à l'aise. Je vous invite à le voir après, ce week-end ou plus tard. On peut demander aussi d'autres choses. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des sensors. Ça, c'est un peu tout ce qu'une tablette va envoyer comme information, tout ce que notre mouvement, parce qu'on est aussi, on donne aussi beaucoup d'informations. Par exemple, avec ce stylo, rien que le fait de bouger sur la surface, eh bien, je vais donner aussi des informations d'un chemin. Ça va être, si je prends une brosse plate comme ça, alors, je prends une couleur qui ne soit pas blanche pour vous montrer. On a une petite zone d'essai à côté, je vais l'utiliser. Je vais mettre une plus grande taille. Voilà, donc j'ai pris une brosse ici, un embout, qui est plat. Jusque-là, il n'y a pas beaucoup d'espacement, 0,25%. C'est-à-dire qu'entre celui-là et celui-là, tous les 0,25, il va le répéter. Si je fais 1, ça va prendre à 100%. Donc voilà. Parce que la brosse, vous avez vu, il y a un peu de blanc tout autour sur cette petite image. Donc il va répéter la petite image à 100%. Mais si je fais par exemple 0,25 ou 0,17, il va donner l'illusion d'un trait continu. Maintenant, si je veux que par rapport, alors là j'ai une petite croix, mais vous ne la voyez pas, excusez-moi. Je vais essayer de monter la fenêtre. Il y a une petite croix ici pour vider la zone d'essai. Il y a comme une petite zone d'essai, quand vous avez un peu trop essayé, hop, vous appuyez dessus, ça vide. Donc j'en étais sur l'opacité, la pression et les sensors. Donc moins de pression, moins d'opacité, plus de pression, plus d'opacité. Mais si je choisis le drawing angle, donc là, c'est-à-dire que je demande à Krita que l'angle de dessin, c'est-à-dire que l'angle de la brosse définisse, on est sur l'opacité, je vais avoir quelque chose comme ça. Alors, pour le décrypter, je vais faire un cercle. Voilà. Le haut du cercle, je suis à 50%. Le bas, j'arrive jusqu'à plein 100%, 0. C'est par rapport à une sorte d'angle. Sur l'opacité, ça ne va pas vraiment nous servir, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de sensors qui ne vont pas être vraiment utiles, même s'il y a des recherches expérimentales qui peuvent se faire. Mais par contre, par exemple, sur la rotation, ça va être utile. Moi, je vais mettre une rotation sur le drawing angle. Et là, ma brosse qui était plate, vous voyez, maintenant, elle va me suivre. C'est-à-dire que si je fais un trait vers le bas, elle va s'orienter vers le bas. Si je fais un trait vers la droite, elle va s'orienter vers la droite. Et ainsi de suite. Voir faire des fois des choses un peu bizarres quand on n'arrive pas à bien comprendre ce que je suis en train de faire là sur la fin. Elle s'emballe. Les sensors, on va les lister vite fait. Sans tous les montrer par vous, mais c'est pour que vous ayez une idée. Il y en a aussi que je ne connais pas. Alors, pressure in. Je suis désolé, j'ai beaucoup utilisé pressure. Là, je me demande ce que c'est réellement pressure in.
X tilt, Y tilt, ça va être la façon dont le stylet se couche ou pas. Donc l'angle d'attaque du stylet va pouvoir être compté. Attention là aussi, pas tous les modèles de tablettes peuvent avoir cette option. Même si vous avez l'option dans Krita, ça ne veut pas dire que votre tablette envoie les événements. Je pense que Pressure In, ça doit être quelque chose aussi pour certains types de tablettes. Je peux avoir très faux. Speed. Alors là, c'est une vitesse qui va être calculée en fonction du nombre d'événements que vous allez envoyer. Si je fais beaucoup de traits comme ça très rapidement, il va savoir que j'envoie beaucoup d'informations. Donc je dois faire un trait très rapide. Et donc on peut adapter ce comportement-là à plein de choses. Par exemple, en size, la taille du pinceau. Donc je vais mettre par exemple sur Speed. Et là, plus je suis rapide, plus ça va être fin. Et plus je suis lent, plus ça va être encore plus fin. Bon. Plus je suis rapide, plus c'est épais, et plus je suis lent, plus c'est fin. Voilà, c'est ça. C'est à cause de cette courbe-là, sur le speed, qui est pas... Là, c'est un peu plus lent, fin, épais, quand je vais vite. Et si j'inverse cette courbe-là, je vais avoir normalement l'inverse. C'est-à-dire épais quand je suis lent, et quand je vais très vite. Alors, il faut y aller, hein. Voilà. Là, ça va devenir plus fin. Drawing Angle, on l'a vu. Donc, tilt élévation, tilt direction, toujours par rapport à la façon dont c'est levé ou que ça va tourner du stylet et par rapport aussi au modèle que vous avez. Rotation, là ça va être la façon dont c'est comme ça et comme ça du stylet. Pareil encore, ça dépend du modèle. La distance va être intéressante parce que ça c'est tous les styles, tous les trucs qui vont l'avoir, toutes les tablettes. On va demander à une taille, à une distance du chemin qu'on va parcourir. C'est-à-dire que je dessine, et la taille du chemin que je vais parcourir va définir un peu ce que je dois faire. Alors là, par exemple, tous les 610 pixels, je vais en zoomer en arrière, hein, eh bien il va faire le chemin de 1 pixel de large à la largeur totale, parce qu'on est toujours sur la taille. Hein. Donc voilà, on a un trait qui grossit comme ça tous les 610 pixels de chemin. Je le dis, on est en 27%, donc le scratchpad aussi a le même zoom que la zone de travail ici. Il s'adapte. Time, alors là pareil, ça va être sur le temps, toutes les 3 secondes. 1, 2, 3, il arrive à la fin, hop, il redevient de petit. 1, 2, 3, voilà. Bon. Ça va avoir des effets ça, hein. C'est-à-dire que ça peut être très sympa pour faire certaines brosses. Fuzzy, alors celui-là, c'est du aléatoire, ça peut s'appeler random aussi. Voilà, là c'est ce que ça fait qu'une taille aléatoire sur cette brosse-là. Très pratique, ça s'utilise beaucoup. On veut avoir des fois une opacité aléatoire, une taille aléatoire, une rotation aléatoire. Vous avez une forme, vous voulez qu'elle tourne de façon aléatoire, le fuzzy va être très utile. Fade, alors là, c'est une sorte de distance sur l'effet qui va aller, enfin voilà, elle va grossir, et elle va rester bloquée. Ce n'est pas comme la distance, c'est-à-dire qu'elle commence simplement quelque chose et après elle reste bloquée. Alors ça c'est bien, c'est si vous le mettez sur l'opacité et que vous voulez faire le fameux pinceau qui perd de l'encre et qui à la fin n'écrit plus. C'est le fading. Perspective va être très intéressant et ça c'est lié aux assistants et aux grilles d'assistants perspective. Alors là c'est assez compliqué et moi je trouve que c'est pas très 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 facile à prendre. On a une grille d'assistants perspective, je vais vous le montrer. En tool option. Alors perspective. Là, je ne vais pas trop montrer parce que ça fait simplement un carré, une grille comme ça. Si on tire sur un côté, ça fait une autre grille. Directement, on va avoir ces lignes qui vont apparaître. Si on active l'assistant, on va avoir ces lignes qui vont être mises sur l'assistant. Et là, ce que ça va faire, alors si je retrouve mes outils, ça va demander que la perspective influe, c'est-à-dire que plus je suis loin dans la perspective, plus mon trait doit être fin, plus je suis prêt, plus mon trait doit être épais. Si je le mets sur size, on peut le mettre sur opacité ou quelque chose.
Ça paraît génial à le dire comme ça dans le concept, à l'utiliser, j'ai essayé pour 2-3 choses, ça demande quand même d'avoir une grille vachement bien faite, le preset, la brosse qui va pour ça exprès, et finalement c'est assez contraignant. Je préfère utiliser un pinceau et jouer avec la taille manuellement pour ça. Mais l'idée est très bonne. Tangential pressure, alors ça pareil, c'est quelque chose d'assez récent, relié au tangent normal qui a été mis dans la dernière version, et c'est une partie que je n'ai pas bossée. Donc je suis désolé. Sur le site de Krita, dans la version 2.9.7, il l'explique un peu sur le site. On peut essayer de deviner, mais je pense pas que j'y arriverai. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez barré. Tangential pressure. Je suis sur la taille, je vois pas vraiment d'effet sur la taille avec mon stylet. Donc ça doit vraiment être quelque chose de relié encore à comme un assistant ou quelque chose avec ce moteur de brosse normal. C'est possible, j'ai dit peut-être une bêtise. Donc là on a vu sur la taille qu'on pouvait influencer, et là vous voyez toute cette grande liste et vous dites non, on va pas les faire un par un pour tous les sensors. Non, on va pas les faire. Parce que vous pouvez donc influencer sur... la softness, ça va être la façon dont la brosse va être plus ou moins diffuse sur les bords. Sur sharpness, ça va être l'inverse, hein, sur la façon dont elle est plus affûtée, affinée. La rotation de la brosse. Scatter, ça va être son éparpillement. Vous voyez, hein, sur le... par rapport, sa distance par rapport au chemin initial, les deux côtés. Hein. Donc là, on va pouvoir demander soit l'axis en X, en Y. Si je demande que en Y. Cette limitation, hop là. Et si je demande que en X, voilà. Avec plus ou moins d'effet. À chaque fois, l'effet de base, vous pouvez l'avoir ici. Ça, par exemple, ici, là, le scatter va définir l'écartement au chemin principal. C'est-à-dire que là, j'ai pas beaucoup d'écartement, et là, j'ai beaucoup d'écartement. Donc, un simple moteur comme le Pixel, avec ses trois embouts qui étaient auto, texte et le brush tip qui est la petite image, avec tous ces sensors, va complètement se multiplier en options. Et le Color Smudge va en avoir presque tout autant avec des autres embouts. Sur toutes ces options, de faire des brosses de la base, quand on ne connaît pas tous ces boutons, c'est une horreur. Je vous le déconseille. De vous aventurer dedans. Ce qui est plutôt sympa, c'est par contre de regarder les brosses qui sont déjà faites, et c'est à ça qu'elles servent, celles qui sont fournies par défaut. Une brosse qu'on aime bien, par exemple celle-là, et de s'intéresser à comment elle est faite. Elle a sur le rotation le fusil, ah oui, on le voit, d'accord, il y a un truc qui tourne là, et qui fait des petits crans partout. Si on zoomerait, on verrait que c'est un peu comme une guirlande de Noël, en fait. Avec plein de petits carrés qui tournent tout autour d'un chemin. Elle a aussi un sensor de pression sur la taille. Donc c'est-à-dire que plus que je suis bas, plus que je presse moins, plus c'est petit, plus je suis haut, plus je presse, plus c'est gros. Et pour l'opacité, pareil. Elle va avoir un petit peu, là, on n'est pas très opaque, là c'est gris. Et quand j'appuie fort, ça va être noir. Donc ce qui est sympa, c'est de se dire, ben, moi cette brosse-là, je l'aimerais par exemple bien si elle n'avait pas cette opacité. J'aimerais qu'elle soit opaque 100%. Dans ce cas-là, dans opacité, on décoche les événements qui viennent du stylet. Et là, on aura notre brosse telle qu'on voudrait. Alors comment l'enregistrer? Parce que altérer quelque chose, c'est bien beau, mais si à chaque fois on est obligé, pour avoir sa brosse qu'on aime bien, de revenir dans le menu, de défaire la case, c'est pas très bien. Pas très pratique surtout. Donc là, vous avez le nom de la brosse et on peut faire overwrite, c'est-à-dire réécrire au-dessus. Bloc fusil, elle s'appelle. Je pourrais faire ça. Si je fais ça, je vais déjà détruire mon original. Bon, il est dans le code de Krita, donc si je défais mes préférences, elle va revenir. C'est une brosse par défaut. Donc ce qui serait bien, c'est que je la renomme. Brosse fusil 2 déjà. Je donne un autre nom. Ça va me permettre de ne pas détruire l'original.
Ensuite, il faut savoir que la petite zone en pointillé qui est ici va définir à quoi va ressembler la brosse. C'est-à-dire que là, la petite image qui est là, et bien ça, ça serpente la petite image. Vous allez voir, je vais supprimer et je vais me faire un petit dessin de pinceau. Alors ça, c'est mon pinceau à moi. Et puis je vais marquer moi, pour être plus sûr. Et puis la brosse, je vais la nommer moi, voilà. Et je vais faire sauvegarder. Là, dans la petite liste tout en haut, ça s'est rechargé. Et on retrouve moi qui est là. Voilà, ça deviendra ma petite icône. Alors le problème, c'est si je la change, et que je me sers de cette zone-là pour faire quelque chose, et que je veux faire override sur moi, là, voilà. J'ai pas fait assez de changements, excusez-moi. Je remets opaque, par exemple. Là, je refais, eh bien, je vais détruire ma petite icône. Ça, c'est dommage. Donc, il y a un bouton qui a été mis ici, qui ressemble à une brosse. C'est pas la meilleure icône. Alors, pardon. Qui ressemble à une brosse, ici, qui est fait pour restaurer le visuel de la brosse. Vous pouvez comme ça restaurer n'importe quel visuel et faire que, par exemple, moi, je resexe moi, et je vais changer un tout petit peu quelque chose pour la réenregistrer. Et là, ma brosse qui s'appelle moi, elle devrait avoir la même tête que celle-là. Ce qui n'est pas forcément malin parce qu'après, maintenant, je ne la vois plus, en fait. Donc je vais lui refaire une petite deux points noirs bien visibles pour dans ma liste. Et je vais faire sauver par-dessus et normalement elle sera beaucoup plus visible. Voilà. Donc on se dit mais comment les développeurs ont fait ces petites images ici? Ils les ont pas peintes dans le scratchpad ici, non. Il faut savoir que toutes ces petites images. Alors, toutes ces petites images, si on va dans Settings. Manage Resource and Open Resource Folder, comme je vais montrer pour avoir ces settings, et c'est ce que je vous ai dit, ça sera pratique pour nos pinceaux. Ils sont là, Paint Up Presets, et on retrouve ici les petites icônes. Alors là, il y a moi, je l'ai enregistré trois fois, donc il va y avoir trois sortes de sauvegardes, parce que Krita, ils estiment que si jamais on repasse au-dessus d'une brosse par erreur, vu que ça prend pas beaucoup de place sur le disque, autant garder un peu l'historique. Tout à leur honneur, pas de souci. Mais on peut faire que ce petit fichier-là, moi, il me le propose par défaut, Open with Krita. Et la brosse, on peut l'ouvrir en Krita. Et là, voilà. Ça, c'est ma brosse. Et là, maintenant, je suis dans Krita, je peux utiliser tous les outils pour pouvoir faire la petite icône de ma brosse. Donc, je fais pas mal de kits de brosse, personnellement, et c'est comme ça que je refais toutes mes icônes. Je les rouvre toutes une par une, et puis au-dessus, je ne les dessine pas toutes. J'ai dans mes ressources, je crois que c'est quelque part, icônes ou quelque chose. Après, c'est logiciel, sûrement, Krita. Voilà, et tous mes kits de brosse, j'en ai eu pas mal. Et Krita Preset icône, voilà. Et là, je vais avoir plein d'icônes déjà faites. Avec les développeurs, ils en ont partagé plein. Comme ça, il y a eu c'était Ramon Miranda qui en avait partagé plein. Et on a l'habitude de les prendre. Par exemple, cette brosse, moi, je vais peut-être prendre ça, puis je vais la balancer par-dessus. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que vous ne pourrez pas faire sur les systèmes Windows ou les systèmes Mac. Ça, je ne sais pas si ça marche. C'est de prendre de l'explorateur de fichiers, un fichier, et de faire un drag and drop au-dessus, un glisser-déposer au-dessus de la zone de Krita, et il propose des options. Insérer comme un calque, ouvrir comme un nouveau document, insérer comme un calque, voilà, ça, dans ma pile de calque, maintenant j'ai celui-là. Voilà. Ça fait cracher le système. Ça fait cracher le système? C'est une méthode originale pour fermer Krita, on va dire. C'est pour frimer. Comment faire Krita? Paf. Donc, j'avais montré qu'on pouvait utiliser des petites images comme base pour les roches. Est-ce qu'elles ont un format bien particulier ou c'est juste un PNG 50, 50 ou quelque chose comme ça? Alors, il est vachement ouvert, Krita, là-dessus, sur les formats.
Ça peut être le format GBR de GIMP, GIMP Brush, PNG, le SVG, il va le prendre aussi, je crois. Je ne suis pas sûr. Alors le SVG, je ne vais, pas le dire, parce que je ne suis pas sûr. Le ABR de Photoshop, qui est une collection d'embouts, il va les prendre aussi. Je crois que c'est à peu près tout. Il y a les bitmap. Bitmap aussi, je crois. Ce sont même des formats que Krita peut exporter vers ces formats. Oui, c'est souvent des formats où il a déjà les filtres d'import et d'export. D'ailleurs, ils sont là. Hein, c'est-à-dire que dans Krita, normalement... Ah ouais, là, je ne suis pas sur mon dossier, mais il va falloir que je retrouve dans Krita Settings Manage Resource Open Resource Folder. Ça devrait être dans Brush que ça devrait arriver. Ici, Brushes. Mais là, je n'ai fait aucune brosse personnelle. Et on va faire une brosse personnelle. Je vais faire une brosse personnelle pour vous montrer un petit peu. Là, je crée un nouveau calque. Je vais me prendre un pinceau, celui-ci. Et je vais faire... C'est le classique. Hein, je l'avais déjà fait en cours, ça. Des petits pas comme ça. Voilà, j'aimerais bien faire une brosse. Quand je me balade, ça fasse des petits pas qui suivent la brosse. Donc premièrement, je fais un peu mon image de base. Voilà un peu, je vais essayer de l'orienter un petit peu, que ça soit bien droit. Parce que Krita, si vous faites une brosse qui s'oriente, il faut savoir que pour lui, la base, c'est vers le haut. Ça, comme ça, 90 degrés, comme ça, vers le haut. Donc si vous voulez faire une flèche de curseur, ça va être une flèche comme ça, etc. Donc là, je suis sur un calque. Si on regarde le calque, il n'a que les petits chaussons dessus. Je vais faire une sélection tout autour pour dire je ne veux prendre que ça. Et je vais aller dans l'éditeur de brosse. Alors je suis désolé parce que lui il est très grand toujours pour montrer. Je vais garder bien Pixel, Brush Tip. Je vais aller dans Predefined. Alors là c'est là où il y a toutes ces images, comme je vous l'ai dit, hein, celles qui sont déjà là. Et il y a ici un bouton pour en rajouter, qui va s'appeler plus stamp. Alors ça veut dire plus tampon. Bon. Si j'appuie dessus, la sélection qui est en cours sur le canevas, hein, c'est-à-dire que là vous avez vu les chaussures, elles étaient entourées, elles étaient sélectionnées, il va me les proposer pour en faire une brosse. Et il va me demander bien sûr de la nommer parce que maintenant elle va devoir s'enregistrer. Donc moi je vais l'appeler pas. Il va me demander l'espacement sombre, ça me semble bien. Alors create mask from color, ça c'est une option. Si la zone que vous voyez ici aurait eu des couleurs, je peux demander à ce que ces couleurs-là soient reproduites. C'est-à-dire que quand je dessine, je peux vouloir demander à ce que le blanc là qui est tout autour ne soit pas du transparent, que ça soit du vrai blanc. Krita gère les brosses aussi totalement en couleur, chose que d'autres logiciels ne font pas. Si je l'active ceci, hein, si je l'active pas, le blanc devient transparent, le noir devient ce qui marque. Ce qui est assez rigolo parce que d'habitude c'est l'inverse, c'est le blanc qui veut dire sa marque et le noir qui est transparent, mais bon. Style régulier ou animé, alors il y a un style animé s'il y a plusieurs calques, et un peu expérimental. Je fais toujours mes brosses animées moi sous Guy, parce que je trouve qu'il les fait vraiment bien. Et Krita les lit, donc c'est sur ça je fais la brosse animée sous Guy et Krita les lit. Sélection mode incrémentale, ça c'est quand c'est animé, il peut choisir de lire tous les calques un après l'autre ou de façon aléatoire. Si j'étais là par exemple animé, il demanderait random, par la pression, etc. Bon. Mais là, c'est un régulier, c'est une image que je veux faire. Donc je fais OK et je vais retrouver ici maintenant, parmi toutes ces autres petites images, ma petite image de pas à moi. Si je veux la tester pour l'instant, elle est toute pourrie. Je vais vous la montrer. En plus, je me suis trompé dans une option. Le Create from Color, c'est l'inverse. Et ça, j'en avais touché un mot, je me trompe toujours avec cette option. Temp, alors là, quand il n'y a pas de sélection, il prend tout le canevas. Là, il n'y en a pas, voilà. Hop, j'en fais ça. J'en fais une petite sélection autour. Voilà. On refait ce temp. Pas 2. Et là, je vais faire Create Mask from Color. Voilà. Là, je crois que c'est pas 1. Ah, je vais la supprimer, je vais garder que le pas 2. Désolé pour cet embrouillage. Et voilà, là, ça y est, je vais avoir mes petits pas, et comme ils n'ont pas beaucoup d'espacement, je vais pouvoir peindre avec.
Alors il y a un peu de bruit tout autour, c'est parce que j'ai pas vraiment bien nettoyé le canevas, c'est pas vraiment blanc. Ça se voit peut-être pas sur l'écran parce que l'écran a un bon contraste. Backspace. Donc je vais maintenant devoir, j'ai le bon embout, mais j'ai pas ce qu'elle doit faire de bien. Ce qu'elle doit faire pour aller bien. Donc, premièrement, c'était l'espacement. Au moins 3 d'espacement. Non, ça ne va toujours pas. Alors, j'essaie de mettre comme ça. Voilà. On va mettre au moins 10 d'espacement. Voilà. Un peu mieux. C'est dommage qu'on ne puisse pas aller un peu plus. Des fois, il y a des trucs qu'on peut tricher comme ça. Non, lui, il ne veut pas. Bon, 15, ça sera. 10, ça sera la limite. Je vais faire avec. On va demander la taille sur la pression. Voilà, plus je suis petit, plus que je presse moins, plus ça fait des petits pas, plus je presse, plus ça fait des gros pas. On va surtout demander la rotation sur le drawing angle. Je vais mettre la pression. Et on va avoir ceci qui se passe. Alors, là il s'est passé quelque chose. C'est parce que, je vous ai dit, l'angle de base est normalement à 90, mais je sais que cette option-là aussi est très nouvelle. Qui permet de dire que l'angle de base qu'on veut du drawing angle, maintenant ça peut être aussi touché à 0 degré, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient contraintes par ça. Je suis encore à l'ancienne mode, je suis désolé. Ah oui. Donc là, on va devoir faire à 270. Et là, je vais avoir mes petits pas. Alors ce qu'il faudrait faire encore, c'est un miroir, de façon horizontale sur le chemin, qui se fasse pas de façon aléatoire, de façon alternée. Alors là, je l'ai fait de façon constante, par rapport à la pression, là même. C'est bizarre. Donc je vais le faire de façon... je ne suis même pas sûr si on peut le faire ça. Avec time, peut-être. En mettant un temps assez petit, qu'il alterne toutes les secondes comme ça. Non. Distance, peut-être. Parce que la distance se répète. Enfin, vous comprenez le principe, hein, là, j'essaye de montrer un petit peu ce qui peut se passer. Et surtout, c'est pas très très évident à voir, mais ça a l'air de fonctionner plus ou moins. Il change là au bout d'une seconde. Bon. C'est pas évident. Peut-être un projet un peu ambitieux par rapport en plus à toutes ces options. Donc, hop, ça va. Il y a moyen sur internet d'aller chercher des kits de brosse. Il y en a pas mal qui sont faits, j'en ai un aussi. Vous pouvez les charger en allant dans le setting Manage Resource et faire Import. Donc si vous l'avez sur le disque, vous pourrez voir je vais essayer d'aller trouver les miens pour vous montrer un peu des brosses que je fais. Et après on va passer un peu à plus du travaux pratiques parce que je crois que j'aurais fait un peu le tour, à part les filtres et les gimmicks, mais il y a 400 filtres dans gimmicks. Je sais que ça ne marche pas sur les Mac, c'est un peu... Peut-être que tu peux nous montrer celui que tu utilises pour corriger tes liners. Celui pour coloriser. Celui pour filmer ton sketch que tu scannes. Ah, celui-là aussi, oui. Oui, il est bien, ouais, je peux le montrer aussi. Ouais. Je vais donc importer quelques brosses d'abord. Alors, malheureusement, elles sont sur un disque externe et je crois que c'est là. Ah, ben, je les ai mis en fait. Je vois. C'est ici. Parce que j'ai fait une version hier de mon preset. Là, je suis en train de changer mon dossier de backup de Krita pour une version antérieure. Et ça, c'est un peu la version que j'utilise. Enfin, les personnalisations, donc elles vont être très très pareilles, finalement. Mais sauf que au niveau brosse, je vais avoir... Oui, je vais avoir toutes celles-là. Donc j'ai beaucoup moins de petites brosses comme ça qui vont répéter des motifs. Ça va m'aider quand je fais des roches à faire des petites craquelures, des petites choses. Je vais avoir des petites étoiles que je vous avais montrées, mais ça c'est parce que j'ai une bande dessinée un peu fantasy et un peu mignonne. J'ai de l'herbe qui vont m'aider à faire des avant-plans.
tout ça, c'est vrai que c'est basé sur ces petites images. Hein, Et donc, je voulais voir si dans ma chambre sort, je n'ai pas mes bundles expérimentaux, ce n'est pas grave. Ah, c'est aussi ce style de brosse. Ça fait un peu maison pour faire des arbres très stylisés. C'est une stylisation que j'ai voulu un peu faire. Qui vont faire ces pointillés. Alors, en modelant un petit peu avec, on obtient vite fait des résultats. Vous pouvez voir cette brosse en action. Alors, j'avais fait une BD qui était vraiment qui se passait dans les bois qu'avec cette brosse là. Je vais la retrouver. Excusez-moi. Oui. Alors c'est épisode 7. Là. On peut voir tous ces petits points qui se répètent. C'est basé uniquement sur ce style de brosse. Et c'est là que ça vaut le coup un peu de se faire ses propres outils. Parce que voilà, j'avais testé ce style-là, j'avais fait les petits points. Ça m'avait plu, mais je l'avais fait à la main. Et après, je me dis, mais comment on peut le faire pour que j'ai pas tous ces petits coups de pinceau à refaire à chaque fois. Et de refaire sa propre brosse, tout d'un coup, ça devient, waouh, j'ai fait un outil qui est libérateur, où je vais pouvoir sur d'autres brosses, sur d'autres cases, me lâcher et faire ces effets-là qui reviennent, cette herbe, ces petites fleurs aussi, voilà, tous ces trucs-là sont faits un peu de la même façon. Donc, ensuite, je vais montrer un peu de filtre. Maintenant, à présent, est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qui est les brosses? C'était un gros paquet, ouais. Comme il y a énormément de brosses de basse, est-ce qu'il y a moyen de les trier, de les virer, de mettre en marque les siennes, quelque chose comme ça? Oui, c'est vrai que ça, pareil, le système pour pouvoir les ranger, c'est un système de tag, c'est-à-dire c'est un système de groupe où une brosse ou une ressource peut être simultanément dans plusieurs groupes. C'est là ce qu'on va trouver dans All, il y a ce qui est passé de la base avec, hein, c'est-à-dire qu'ils ont marqué voilà, gomme, les cercles, toutes les brosses un peu en cercle, ils ont fait comme ça quelques, ce qu'ils appellent tag. Et ça va être par contre, on va pouvoir les gérer dans le Docker des brush presets. C'est vrai que là il va avoir un avantage par rapport à ce bouton-là, c'est qu'il va avoir un peu tout le côté management. Quand on clique droit, on peut lui faire par exemple assigner à un tag et dire allez ça va être mes favoris. Celle-là c'est ma favori, celle-là ça va être dans ma favori, ou je veux faire un nouveau tag. Là je vais marquer mon pseudo et puis je veux que celle-là aille dans le tag divad, va dans le tag divad et celle-là dans le tag divad. Et après je vais en retrouvant ce tag-là retrouver mes brosses. C'est ce moyen-là qu'il y a pour l'instant de les classer, de vous faire votre propre petit groupe. Faut savoir que les workspaces qu'on a vus, c'est-à-dire ce qui gère l'espace de travail, va restaurer normalement la visibilité sur le tag. Donc à des fois, si vous avez par exemple un espace de travail pour dessiner au crayon et vous avez vos presets de crayon, et même vos palettes, le petit docker qui fait les palettes, lui aussi, s'il y a une palette de noir et blanc, il va restaurer dessus. Donc ça permet de faire des espaces de travail colorisation, des espaces de travail floutage, des espaces de travail différents. Il y a quelque chose, une des parties assez fondamentales en fait de CliqTag que j'ai pas montré, je suis désolé parce que le logiciel est tellement grand, j'essaye de tellement passer dans toutes les fonctionnalités assez vite, il faudrait presque une semaine complète pour voir tous les outils, les utiliser, en faire des cours pratiques, et j'essaye de tout montrer. C'est simplement le clic droit, bouton de la souris, vous avez tous dû voir là si vous aviez bougé, ça fait ce truc-là sur le canevas. Alors là, il y a des presets tout autour, ou une petit bout de preset de ce que l'on envoie, et ils correspondent aussi à un tag. Alors par défaut, c'est les favoris, mais on peut les changer ici et dire par exemple, je veux que ça soit mes
mes trois de diva. Alors, quand on appuie sur la touche Tab du clavier, on rentre dans un mode plein écran, mais c'est toujours fenêtré, hein, pour respecter un peu le manager de fenêtre. Enfin, le système. Il y a un mode plein écran propre où on est directement sur le tas tout, il n'y a plus de décoration, mais voilà, le tab permet simplement de virer toute l'interface, un peu d'avoir un peu d'air. Et pendant qu'on a tab, c'est vrai que cette petite roue va servir. Dans cette petite roue, on va avoir ici couleur d'avant-plan, la couleur active, c'est la couleur sectionnée, c'est pour ça qu'elle est un peu plus grosse. Là, la couleur d'arrière-plan n'est pas beaucoup utilisée dans Krita, mais bon, il y a deux, trois choses comme remplir avec la couleur d'arrière-plan, des petites fonctions qui vont toujours utiliser l'arrière-plan, donc c'est bon de savoir quelle couleur on a. Le tag qu'on a mis, c'est-à-dire que là, je pourrais aller des favoris, des circles ou quelque chose. Bon. Voilà, on peut mettre donc son propre tag. Ici, en vert, vous allez avoir les trois couleurs que je vous ai montré un peu l'arbre. Donc c'est l'historique des couleurs. Si j'en prends plus, ça va être plus resserré. Et au centre, on va avoir un petit sélecteur de couleurs quand même qui est bien pratique. Parce qu'il va me permettre quand même de travailler déjà pas mal de choses. Et surtout d'avoir déjà des brosses à portée de main. Donc cette fonctionnalité est très très bonne. C'est quand on a un travail qui est assez grand, qu'on est sur la dernière phase de détail. Qu'on est obligé d'avoir les pixels, l'image un peu, la vision la plus globale qu'on peut avoir sur le moniteur, et puis de prendre un petit détail ici, un petit détail là, de regarder si ça va, en pleine immersion. Et avec justement ce clic droit, ben on a quand même un outil sous la main qui est très sympa pour le faire. Donc ensuite, je voulais montrer quelques filtres gimmicks qui sont même des petits logiciels en eux-mêmes. C'est-à-dire que Gimmick, qui produit des filtres, je vous ai dit, il y en a plus de 400, il y en a certains qui sont interactifs et qui deviennent des petits logiciels en eux-mêmes. Je vais retourner un petit peu, de trouver un sketch ou quelque chose dans mes fichiers. S'il y a une question pendant ce temps-là, oui. Oui. Ah. Oui, c'est vrai que à des fois ils viennent sans tag. À des fois il faut fermer Krita. Alors, est-ce que vous voulez télécharger par bundle? Oui. Dans ces cas-là, c'est un tout petit bug avec les tags. Et il est connu. Il faut fermer Krita, le rouvrir, et normalement il va y avoir un tag du nom du bundle qui a été importé. Voilà, c'est. Pour une raison, le tag du bundle ne se rafraîchit pas pour l'instant. Et ils sont en train de le réécrire, tout ce qui est les tags. Parce que le système vient un peu à bout de ses limites en ce moment. Et il y a des bugs comme ça qui apparaissent. Je vais prendre ce petit-là qui était... j'avais fait l'an dernier pour Inktober, mais... C'est un concours qui est en octobre, qui va bientôt commencer d'ailleurs. Et c'est un concours où il n'y a rien à gagner, hein. C'est pour l'expérience, c'est pour l'entraînement, où des artistes décident de poster sur les réseaux sociaux chaque jour d'octobre un dessin ancré. Je l'ai fait l'an dernier. C'est assez sport parce que quand on a le boulot à côté, une BD ou quelque chose, de prendre une heure par jour pour se poser et faire un petit dessin, et puis en plus on a envie le jour d'après de faire un peu mieux que le jour d'avant, ça crée une petite audience aussi qui réagit, c'est très sympa, et puis entre artistes qui font Inktober, on s'amuse beaucoup à se commenter, à dire « Ah ben là, disons, t'étais fatigué, là, t'as ressorti un vieux dessin. » Enfin, c'est assez sympa. Ça commence très bientôt et ben, je conseille à tout le monde parce que en un mois de temps, la pression de le faire, d'être dans le mouvement, de vraiment de se tenir à tous les jours, fait que y a des choses sympas qui arrivent. Là, j'ai sorti ce dessin-là, c'était pas pour vous parler spécialement d'Inktober, même si c'est ce qui se passe, mais c'est pour vous montrer un filtre qui va assister la colorisation de dessins en ancrage. C'est-à-dire que là, j'ai un dessin qui est en noir et blanc, qui est fait de lignes. Je l'ai pris parce qu'il n'a pas beaucoup de résolution, et puis il est un peu allongé comme ça. Il permet de
de le montrer bien, et puis il a des zones assez fermées. Je sais que j'avais déjà fait une petite démo dessus et qu'il marche assez bien normalement. Donc, si je vais dans le gimmick, et dans les filtres, j'ai cette interface barbare avec tous ces filtres. C'est très très dur de retrouver ce nom de filtre. À chaque fois on dit « Ah, mais c'était peut-être sous la catégorie artistique, non, black and white ou quelque chose. » Il y a un petit champ de recherche ici. On peut marquer color, color grise. Et là, on va voir que dans black and white, il y en a quelques-uns. Donc, c'est le colorise interactive. Il va permettre de coloriser de façon interactive. Et là, ça va nous faire apparaître encore une autre interface encore au-dessus de tout ça. Là. Ça va être un enfer de fenêtres, par contre, si vous voyez bien. Il permet de ce filtre-là de coloriser des photos noires et blancs, normalement. Mais il y a eu une petite variante pour coloriser des line art. Donc voilà, je demande que le type, ça soit un line art, et c'est vrai que ça va être un line art, là pour l'instant on ne peut pas avoir de prévisualisation. Le style de sortie, ben je voudrais que ça soit l'image colorisée. Donc là je vais demander à ce que les lignes et les couleurs soient en même temps, mais sinon on peut demander voilà, à ce que l'image de base et les couleurs soient séparées et tout, mais là c'est pour les performances parce que j'enregistre et j'ai pas envie de faire tout cracher le système maintenant. Il y a un screen recording, il n'y a pas... Gimmick peut être assez capricieux en fait. Ça dépend de ce qu'on lui demande, ça dépend de ce qui se passe sur l'ordinateur en même temps. Je vais rester en médium. Et voilà, et je vais le lancer. Donc là, ça va me lancer cette fenêtre de gimmick. Une fenêtre noir et blanc hein, de mon dessin. Et une palette. Alors ça a l'air un peu rustique comme ça, et ça l'est. Ça va me permettre de coloriser mes zones. Donc je vais sélectionner par exemple un orange. J'aimerais bien que le fond soit un peu orangé. Et ça va me faire faire des marqueurs. Donc je vais poser des marqueurs ici, ici, ici. Si je veux un rendu, tout va se faire au clavier par contre. Alors là, il faut avoir une bonne mémoire des raccourcis de clavier. Si je veux un rendu, ça va être espace. Donc je fais espace, il fait processing, paf, il me remplit tout en orange. Je n'ai que des nodes orange. À partir du moment où je vais demander des autres nodes, il va faire quelque chose d'un peu plus spécial. Alors là, je fais des nodes rouges. Il va me remplir le personnage avec des limites qu'il va deviner. Et ces limites sont assez pertinentes par rapport à un pot de peinture, par exemple, comme outil. Elles sont même très très adéquates, en fait. Elles vont sous le trait et elles la remplissent bien. Donc, tant que j'ai pas mis de node ailleurs, sur la peau, sur quelque chose, je peux pas vraiment lui en vouloir, par exemple, de déborder ici. C'est normal. Si je veux récupérer une couleur, c'est un clic droit. Donc on a vite fait à des fois. Alors là, j'ai fait une petite ellipse dans mes lignes. Et lui, il ne comprend pas tellement. Si c'est ouvert, il a envie de faire que la couleur se barre. Mais s'il y a deux nodes qui sont comme ça, à équidistance un peu de la limite, il va faire quand même la belle ligne entre les deux. Ça, c'est un petit truc à savoir avec. Donc ce petit filtre va permettre de coloriser assez rapidement des lignes noires comme ça, mais il a aussi le grand avantage, c'est que quand c'est pas des lignes noires, quand c'est même des crayonnés, vu qu'il ne cherche pas vraiment des lignes noires très fermes comme zone, si c'est ouvert ou s'il y a un peu de grain, il va quand même le détecter comme une sorte de zone de rétention, pour retenir un peu la couleur, hein. Quand je dis rétention, c'est pour ça. Donc voilà, ça nous entraîne à faire pas mal de petites nodes. Alors, qualité artistique de cette colorisation, je suis désolé, je réfléchis pas du tout aux couleurs, je réfléchis à parler, à ce que je suis en train de vous dire en fait. Donc, c'est un peu comme tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Malheureusement, j'ai un cerveau qui est assez monotache. On va essayer d'améliorer un petit peu. Par exemple, le fond orange bouffe un peu toute la couleur de peau. Et là, si j'ai envie de remplacer une couleur, donc déjà, je fais un clic droit pour la sélectionner. Et ensuite, je vais taper R comme Replace. Et là, il me fait un petit Replace l'orange par quoi. Et là, je peux jouer un peu au DJ de couleur. Et ça, j'aime bien ça. Parce que, voilà, un gris neutre, voire un gris un peu plus froid, ça va m'aider. Et je vais prendre celle-là, on va réveiller un petit peu la couleur chair.
voilà, et je vais prendre celle-là, je remets R, et je vais un petit peu l'assombrir. Voilà. Il y a une mèche que j'ai loupée ici, je vois. Si je veux que les marqueurs soient plus petits, parce qu'à un moment donné ça devient un peu plus difficile, je peux taper sur Tab, et ça va les réduire. Comme ceci. Et là, je vais mettre une note blanche et tout casser. Voilà. Donc vous voyez toujours, là, c'est la limite. J'en mets deux à équidistance, comme ça, deux nodes. Et ça me permet, en fait, de le remplir. Quand je fais entrée, je vais le calculer. Je lui ai demandé comme calque de sortie que je voulais les lignes et les couleurs sur un seul calque. Bon, c'était un peu bête pour la démonstration. J'aurais dû lui demander, en fait, d'avoir les couleurs et la ligne au-dessus, mais j'ai eu peur pour les performances avec la capture d'écran. Une petite question, ce truc-là au niveau des marqueurs que tu places, ils sont en train de développer la même chose, je crois, mais en interne, GitHub, oui. Pour l'animation aussi. Oui. C'est-à-dire que, oui, voilà, ça c'est sympa, c'est-à-dire qu'ils veulent faire un vrai outil dans Krita sur la barre de côté, c'est en brainstorming pour l'instant, mais même il y a une branche avec proof of concept, comme quoi ça marche déjà, les marqueurs, le remplissage, et des calques dynamiques qui retravaillent, et même ces couleurs qu'on a, une sorte d'historique qu'on peut rechanger. Ils ont vu que ces marqueurs-là, ben oui, on peut aussi les déplacer dans au-dessus du mode animation pour colorier un dessin animé. C'est très puissant. Ils sont bien au courant, bien sûr, que cette méthode avec gimmick, pour l'instant, il faut mettre gimmick. Vous avez vu tout le nombre de menus que j'ai descendu afin d'avoir cette vue interactive. Il y avait trois couches de fenêtres, mais ce n'est pas ergonomique. Et le code de gimmick étant open source, ils voient aussi pas très bien comment c'est fait, mais ils voient à l'échelle de gimmick comment c'est fait. Donc ça leur permet de réimiter. Oui ? Oui. R pour qui pique un peu un calque, il y a un peu des similitudes. C'est-à-dire que ce sont des artistes de Krita, dont moi, dont Timothée Giette, qu'on a demandé à David Chomperlé, qui lui fait en fait les filtres de gimmick, si on pouvait détourner, quand il a montré qu'on pouvait coloriser des photos avec, si on pouvait détourner, parce que on a essayé la colorisation de photos, nous, sur nos dessins noirs et blancs, et très vite, on arrivait quand même à avoir deux, trois choses. On a dit, mais ça serait quand même dément si on pouvait le faire, et c'est comme ça que ça en est arrivé là. Le développeur de gimmick est quelqu'un d'extrêmement adorable et qui fait un travail d'une qualité aussi phénoménale. Voilà, c'est pour ça qu'on retrouve un peu des petits raccourcis qui sont souvent dans Krita ou des similitudes. Et c'est vrai qu'on ne peut pas remplacer une couleur comme on le fait dans Krita sous gimmick, mais tout ça, ça commence aussi à travailler l'équipe de Krita qui le voit. Qui voit que cette utilisation externe serait bien de l'avoir en fonctionnalité principale dans le cœur. Alors il y a une autre fonctionnalité qui a été que j'ai demandé au développeur principal de Krita qui s'appelle Boudewin Rent. Alors j'écorche totalement la prononciation de son prénom, de son nom. Et il a fait le image split ici dans image et image split. Ce image split, alors je me suis trompé, je suis désolé, c'est pas ça, je me trompe souvent, j'utilise très rarement, désolé, j'ai besoin simplement de le rechercher, c'est le split layer, parce qu'il y a le mot split dedans et ça me travaille toujours. Donc, c'est une fonction qui va exploser un calque par le nombre de zones de couleurs qu'il y a dessus. Il y a pas mal d'options. Toutes les îlots qui vont être obtenus, de leur faire une sorte de alpha lock, c'est-à-dire de bloquer l'alpha, de mettre tout dans un groupe, et quand vous n'avez que des couleurs, en dessous de lignes, là j'ai ma ligne qui est avec, je suis désolé, j'aurais dû la virer un peu avant, il y a aussi une sorte de paramètre pour la tolérance, et si je fais appliquer, il va travailler, et là il va me séparer, vous voyez, si j'ai un calque, où c'est là que la couleur du visage, où ça va être rien que la couleur de la veste, ou ça va être rien que la couleur des cheveux.
Et tous ces calques-là ont déjà l'alpha lock, c'est-à-dire que maintenant, je n'ai plus qu'à prendre cette zone-là, et je l'ai utilisé pour pouvoir accélérer la colorisation de certains épisodes de Pepper et Carotte, de la petite bande dessinée. Si je prends cette zone-là avec R, qui va prendre le calque, donc voilà, je vais pouvoir sauter du visage aux cheveux rien qu'en sélectionnant visuellement, donc j'ai presque même plus besoin d'interface. Je vais la garder simplement pour que vous voyez un peu ce qui se passe ici. Je prends la veste, je prends la couleur de peau, et si je dessine dedans, j'ai qu'à adapter un peu la couleur, et je vais pouvoir ajuster directement la couleur de peau sans déborder, parce qu'il y a cet alpha lock qui est là. Donc il y avait une sorte de couple comme ça entre la colorisation de zone avec gimmick, couplé aux split layers, qui rééclataient comme ça, qui était très intéressant. Peut-être que ce split layers là, quand ceux qui ont des 3D avec des unwrap, avec des îlots qui sont colorés différents, ça peut être aussi sympa de les exploser et puis de pouvoir les travailler zone par zone. Pas sûr. Si ? Ça peut être bien. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a... Et je suis sûr que ce genre de petite option, comme les arrays qu'on a vu là pour... les tils un peu isométriques, comme le split layer, ce sont des petites options qui ont été faites pour des artistes à droite, à gauche, comme ça. Il y en a pas mal sous Krita. Je ne sais même pas si je pourrais faire le tour. Mais comme il est déjà presque 16h-20, je propose simplement de déjà passer à des questions et ensuite de dessiner un peu, de griffouiller ensemble, simplement pour essayer de revoir des choses qui vous ont intéressé aujourd'hui. Parce que c'est bien un peu de les revisiter soi-même. Et comme ça, si vous bloquez, je suis encore là pour vous dire « Ah non, c'était ce menu-là. » Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Est-ce qu'il y a un menu d'ajustement de couleur, de saturation ? Oui. Alors, ils sont sur des choses assez standards en plus. Hein. On va retrouver les... Je vais essayer de me prendre un dessin. Oh, j'aurais dû en préparer des dessins, moi. Sketchbook. Je prends un petit sketch. Alors, si je fais un glisser-déposer sur la barre d'outils, ça ne me met même pas le menu, ça me l'ouvre directement dans Krita. Voilà, c'était un petit croquis de ma petite sorcière, comme ça. Et donc, si on a le contrôle U Saturation, donc voilà, on change la U, Saturation, on change la luminosité. On retrouve ici le Coloris qui va mettre toute la teinte pareille de tout. Il faut savoir que tous les filtres dans Krita, on va avoir encore un système de presets qui va être dans les filtres. Alors là, par exemple, j'aime bien le fait de coloriser une image en bleu comme ça. Je fais Edit Presets et je fais Bookmark Current et là, je le renomme. Je fais par exemple en bleu, je l'appelle Close. Et là, à chaque fois maintenant que je vais avoir une image, je peux faire en bleu et ça va directement restaurer les sliders. Tous les filtres l'ont en fait. Donc, c'est très, très rapide quand on a plusieurs fenêtres, plusieurs tables, d'appliquer plein d'effets comme ça, d'affiler sur plusieurs choses. On va avoir les levels, CTRL L, un des grands classiques, hein, où l'entrée des noirs, l'entrée des blancs, on va écraser, et puis voilà, on va pouvoir les aplatir ici et ici. On va avoir CTRL B, balance couleur, très pratique aussi, le blue. Pour mettre toutes les teintes médium plus vers le bleu et puis un peu les teintes hautes vers le jaune et le orangé. Il va y avoir tous les filtres qu'on va avoir ici aussi qui vont se retrouver. Donc Brightness and Contrast Curves. On va pouvoir retrouver ça. Un de mes petits chouchous que j'aime bien, c'est... Alors, il est un peu dur à montrer parce qu'il me sert dans pas mal de situations pourtant. Je vais prendre un coup d'aérosol. J'ai mal fait. J'aurais dû le faire sur un calque séparé. Voilà, je fais un coup d'aérosol noir sur un calque séparé au-dessus de ce dessin. Et c'est tout simplement les Color Adjustment Curves. Alors, c'est un peu les courbes comme partout. Au début, il y a RGBA, ça va être un peu tous les canaux. On va pouvoir demander sur canal alpha. Et ça, moi, j'aime beaucoup parce que
de pouvoir passer un contraste sur l'alpha. Par exemple, là, il y avait la dureté de la brosse et pouvoir voilà, essayer de réduire l'alpha et de faire des contrastes sur le canal de transparence. Mais moi, ça m'aide à des fois, quand je détourne des choses assez mal, où il y a encore des petits détails qui sont tout autour, il y a un peu à faire du cleaning. Et puis, on va retrouver, bah, comme d'habitude, rouge, vert, bleu. Et si votre image est en CMYK, en cyan, magenta, jaune, noir, on retrouvera les courbes pour le cyan, le magenta, le jaune, le noir, voilà, séparés. Je n'ai pas montré d'ailleurs tous les autres modes d'image. La Krita est assez balèze là-dedans. Par contre, je trouve qu'au niveau des performances, il est assez inégal en fonction des différents modes. C'est sûr qu'on ne peut pas demander à du 16 bits dans un autre mode très étendu de couleur de fonctionner aussi rapide que dans quelque chose qui est aussi petit que le sRGB en 8 bits. C'est normal. Et vu que je suis habitué dans ce mode très restreint, je pense à rester dans ce mode très restreint, ce qui est une critique par rapport à mon travail aussi. Donc on retrouve toute cette palette de filtres, ils ne sont pas très riches, hein, les filtres de Krita. Dodge, Burn, Level, Color Balance, Desaturate. En artistique, on va avoir un Pixelize, un Oil Paint. Mais c'est vraiment les filtres de Gimmick qui vont prendre toute la bascule dessus. Hein. Chez Gimmick, on va avoir par exemple le Color, ici que je me sers beaucoup, Color et Color Grade. Alors là, c'est un vrai petit laboratoire pour faire son color grading de son image. On demande plus d'ombre, plus de lumière, de monter les blacks, plus l'image chaude, plus l'image froide, un peu plus saturé, un peu moins, la saturation du gamma, le gamma. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font qu'on peut voir, hein, avec sa petite vignette. On peut directement voir avoir un bon résultat en plus. Bon. Le color grading de Gimmick, j'en suis un peu baba parce que c'est un peu la dernière étape à chaque fois que je fais un dessin et que je trouve un peu gris-gris, un peu. Il y a moyen de déboucher un peu les lumières qui sont un peu ternes, des ombres qui sont un peu pas trop puissantes. Il y a toujours moyen de faire quelque chose avec. D'autres questions? Oui. Donc tous les filtres, y compris ceux de Gimmick, peuvent être utilisés de manière non destructive. Pas y compris ceux de Gimmick. Ah. Tous les filtres, oui, pas y compris ceux de Gimmick. Voilà, c'est la limitation. C'est la grosse limitation. Gimmick est destructif par défaut. Mais c'est... Volonté d'intégrer une partie de ce qu'ils font. C'est, pour l'instant, c'est deux bases de code assez différentes. C'est plutôt, j'envoie l'image à Gimmick, le calque, il se débrouille avec, et il me le recrache et je le reprends. Et il n'y a pas beaucoup de porosité entre les deux, ça reste pour l'instant sur un échange comme ça, et c'est vrai que le développement de Gimmick est tellement actif aussi, de leur côté, que pour l'instant même Krita est obligé de dire, eh bien on bloque la version de Gimmick à 1.6, parce que à chaque fois ils sortaient une nouvelle version et que c'est trop difficile de mettre la dernière version dedans. Parce qu'il y a des nouvelles choses. Filtre Rain, je crois, dernièrement, qui était. Voilà, c'est le Rain Draw. Il y a beaucoup de Rain and Snow. Des filtres qui font tout ce qui est la pluie, comme ça, des petits trucs de pluie. Quand vous voyez ma bande dessinée avec des scènes de pluie, moi, j'ai un peu abusé de ces choses-là. Ce qui est marrant, c'est que. Je n'étais pas vraiment abusé parce que l'effet est sorti après la VD. C'est comme quoi, des fois, on travaille sur deux mêmes choses différemment. Artistiquement, on veut l'effet, puis aussi, au niveau du code, ils veulent l'effet. Et c'est vrai que c'est bien dommage pour Gimmick. Et il y a toujours cette idée un peu de réinventer la roue. On va regarder dans les 400 filtres de Gimmick, par exemple. Je ne fais pas partie des codeurs de Krita, hein. Je suis dans les bêta-testeurs depuis quelques années. Je participe aux discussions, donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire on. Et ils ont tendance à regarder quels filtres sont les plus utilisés et qu'est-ce qui serait bien d'avoir en non-destructeur, comme par exemple ces marqueurs de couleurs, parce que là tout de suite ça profite au format d'animation, parce que ça devient ergonomique surtout. D'autres questions?
Désolé, c'était lourd, hein. Oui. Il y a eu, il a fonctionné une époque. Il est encore là, je crois, hein. Il est dans Tool Recording, Start Recording Macro. Il paraît que ça marche pour certaines actions. Je pense que des séries de filtres, ça fonctionnerait, par exemple. Mais c'est une partie qui est assez obscure. Il faut savoir que je suis le bêta-testeur, mais c'est une partie que j'ose même pas bêta-tester. Parce que, de toute façon, je sais que même si je bêta-testerais et que je mettrais, mais ça ne marche pas avec ce coup de pinceau-là, le bug report resterait là pendant peut-être 2 ans et ne m'intéresserait pas parce qu'il n'y a pas encore les moyens pour ça. Je sais qu'il y a la volonté d'intégrer Python à Akrita dans le moyen terme. Le développeur principal, le leader, a écrit un ouvrage de référence sur PyQt, donc connaît assez bien le monde de Python et de Qt, de ce type de code. Et à chaque fois que le commentaire revient sur le net, parce qu'il revient assez souvent, c'est normal, hein, il y a beaucoup de gens qui voudraient faire des plugins, vendre des plugins pour Krita, ça serait bien. Et il dit que c'est vraiment quelque chose qu'il aimerait vraiment beaucoup, mais pour l'instant, toutes les énergies ont été pour que Krita soit utilisable. Et il y a de ça encore quelques années, c'était pas une si grosse évidence. Moi, ça fait depuis 2011 que j'ai commencé à l'utiliser. Et il y a eu une période d'adaptation qui était assez de grosse régression. Là, la version 2.9.7, elle est presque à des années-lumière de ce que j'ai commencé sur 2.3. C'était... je ne pouvais même pas faire deux fenêtres de trucs différents. Il fallait ouvrir une autre instance de Krita. Enfin, il y a beaucoup de choses qui étaient encore des trucs assez exotiques. Et chaque version a amené beaucoup d'améliorations. Et la prochaine version, c'est les performances. Peindre sur des canevas assez grands, avec plein de calques, sans que ça ralentisse, et l'animation. Et ça, l'animation est attendue par nombre de développeurs de jeux vidéo, nombre de personnes, et moi y compris, parce que j'ai une petite bande dessinée, mais j'adorerais faire des petits gifs animés, des petites choses comme ça, directement dans Krita. Puis il y a surtout un gros manque dans le monde de Linux et de l'open source sur l'animation 2D. L'animation 2D, Pixel Bay. Oui, Rasta, parce qu'il y a Sinfing qui est là et je supporte leur projet, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que là c'est Vector et Vector c'est encore un autre monde. D'autres questions? Donc, ce que je conseille, c'est de chacun de commencer à griffonner, à essayer de revoir quelque chose qui l'avait intéressé, quelque chose qui pourrait être mis à son service. Et moi, je vais être un peu en électron libre. Hein, vous pouvez m'appeler derrière pour me dire « Ah, moi, j'aimerais bien faire ça. Regarde, moi, ça c'est mon type de travail. D'habitude, je fais ça et je suis assez bloqué quand il y a ça comme type de problème. Est-ce que Krita peut m'aider ?» Krita n'est pas la poule aux oeufs, il ne peut pas tout faire, mais peut-être que j'ai eu le petit truc ou quelque chose. En tout cas, je serais content de vous aider à revoir s'il y a des choses qui sont passées un peu vite aujourd'hui. Je suis désolé, ça a été vraiment beaucoup d'un seul coup. J'ai préféré faire ce gros tour de Krita pour vous montrer un peu le potentiel de ce logiciel plutôt que de me la péter à faire un dessin d'un beau petit visage mignon et puis de le peaufiner et puis de faire le truc et de dire « Regardez, moi je sais peindre et tout. » Mais on va voir simplement comment sélectionner une couleur et comment mettre ça. Bon, ça, c'est sympa aussi, hein. J'aime bien ce genre de démonstration, c'est reposant pour moi. Mais là, donc, c'était pas le but. Je sais que c'est assommant. Ce format-là, comme je le dis, là, en une semaine, ça serait bien d'avoir ce genre-là, avec une première journée assez bourrage de crâne, et puis après que des jours presque pratiques, où on redéveloppe point par point, le calque, mais vis-à-vis de petits projets. Et là, la pratique, toujours, change beaucoup de choses. C'est là où on apprend vraiment. Enfin, moi, personnellement, c'est là où j'apprends vraiment, c'est quand j'utilise quelque chose. Pardon. Effectivement. Il y a une limite de poids de fichier. Non. Déjà, quand on passe à des droits GIA, on passe à PSV. Oui. PSV, ouais, ça. Non, il n'y en a pas avec le fichier CRA. Enfin, ça va dépendre de la machine, le disque dur, la taille de la RAM. Il faut savoir qu'en bas, ici, là, de Krita, je ne l'ai pas montré, mais il y a la taille de la résolution et ce que ça occupe dans la RAM.
Si on clique dessus, il y a une sorte de toolbox qui apparaît avec plusieurs informations sur l'utilisation de la mémoire. Voilà. Ça, c'est pas mal. C'est pour les développeurs l'ont fait, c'était pour, surtout quand les utilisateurs disaient « ça rame sur ma machine ». Comme ça, ils pouvaient leur dire « mais quand tu cliques sur là, qu'est-ce que tu as comme truc ?» pour avoir une idée. On peut monter dans « Configure Krita ». Alors, il y a tout un chapitre « Performance » qui est là. Alors là, dans les performances, on peut y aller. « Memory Limit » sur le nombre de RAM qu'on lui attribue, qui doit rester dans cet espace-là. Si on veut travailler sur d'autres logiciels en même temps, pour ne pas avoir un Krita trop gourmand, justement qu'il commence à mettre sur le disque dur, à swapper, comme on dit, avant de sortir de la RAM. Et puis d'autres options qui sont très bien expliquées sur la documentation. Ça, par contre, c'est vrai que cette partie-là, elle est un peu obscure de Krita. Mais si on va sur krita.org et qu'on va dans la documentation, qu'on va au chapitre performance, il y a chacune de ces options-là qui est très bien expliquée avec des sortes de limites, maximum, minimum conseillées en fonction de sa RAM, en fonction des choses. Les performances sont très prises au sérieux parce que c'est le point critique qui a été presque le numéro 1 pendant longtemps sur Krita qui continue de l'être. Hein. C'est, par rapport à Photoshop qui lui est très optimisé. Par rapport à l'historique du Photoshop, c'est un petit historique par rapport à un Z proche, par rapport à les contrôles Z ou Japon arrière. C'est vrai. Krita, il y a un Alors, il y a eu quelque chose d'assez récent de fait dessus, et c'est pour ça que j'ai peur de dire une bêtise. Avant, on avait ici le nombre de undo stack, on l'a toujours, voilà. Ici, donc c'est sûr que si j'essaye de monter à 550, il est d'accord pour le prendre. On va voir s'il l'a gardé. Il l'a gardé. Je crois que ça me limite à 3 décimales, donc on est à 999. Et ensuite, ça va dépendre d'ici. Alors, dans les. Je crois que la memory limit. Ou l'internal pool, il va y avoir un des deux, c'est marqué dans la documentation, je ne saurais pas le dire lequel là. Voilà, c'est swap undo, c'est marqué là, swap undo after. C'est-à-dire qu'il va commencer à marquer les undo sur le disque dès que ça va dépasser les 77 mégas dans l'ASG. Donc là, si j'en ai 999, il vaut mieux que je me mette un swap undo très large. Voilà, mais c'est vrai qu'il va être capable de les garder en mémoire assez longtemps. Par contre, dès qu'on ferme le fichier, on ne va pas récupérer. Oui. Et il y avait tout à l'heure moyen de vider le cache. Si par exemple pendant le jeu de travail, on peut parfois le programme, le fichier, ou on peut récupérer un peu de mémoire ou autre. Alors non. Comme un FRT, par exemple, on peut vider quand on a beaucoup trop de données. Et, ah oui, de vider tous les historiques. Ça serait intéressant de l'avoir, effectivement. Et il n'y a pas. C'est vrai que ça serait intéressant, justement, dans ce bouton qui est en bas, là, sur les performances, d'avoir presque. Petite poubelle pour dire allez, je supprime les 10 000 calques que je viens de supprimer, de mettre à la poubelle, de toute façon ils sont à la poubelle, je ne veux pas revenir dessus et là ça me fait un historique de fou, donc c'est vrai que ça serait pas mal. J'ai vu aussi que Krita a de plus en plus tendance à compresser le undo, c'est-à-dire que les événements de peinture par exemple, les traits, quand ils sont trop loin dans la mémoire, eh bien, il a tendance à les rassembler. Alors, je ne sais pas si c'était quelque chose qui a été fait. Par exemple, on dessine des petits traits pour faire tout un œil. On fait l'autre œil, on fait undo, undo. Alors là, il y aura tous les petits traits. Et quand on va revenir très loin, ça va être tout l'œil qui va disparaître. Mais là, je parle de vraiment très loin. Ce n'est pas aussi près qu'un œil à un autre. C'est, au lieu de quand il voit trop d'événements de peinture, au lieu de commencer à les supprimer un par un, je crois qu'il a tendance à les assembler ensemble. Ouais, oui, par rapport à la 3D, est-ce qu'il y a là qu'on peut faire un lien entre HTML par facilité comme des broches et passer directement la texture, et nous quand on fait le job, ça ouvre la texture, on enregistre ça passe moins facilement avec Max et ZBrush. Pas avec Max et ZBrush. Max, vous pouvez, là par exemple, on travaille une texture, donc ça ouvre Photoshop, on la travaille et ça fait directement ZBrush en Max. Il y a ça dans Blender. Et il y a ça dans Blender, on peut choisir l'application graphique et on peut le faire en fait avec tous les. Dès qu'on a un exécutable, que ce soit GIMP, que ce soit Photoshop, que ce soit
Krita, on peut demander à éditer en gros la texture passe en fichier temporaire et de la rapatrier juste après. Je pense que ouais, ça doit. Il n'y a pas de modules en tout cas qui ont été faits en démarche pour ceci. Je sais que les studios double négative à Londres, on l'a été les visiter parce qu'ils utilisaient Krita sur des productions comme G.I. Joe ou sur des films comme ça où ils ont. Les stations n'étant que des stations Linux avec Mary comme logiciel 3D pour les textures et Maya et Houdini, ils ont expliqué un peu. Enfin, je suis pas expert vraiment de toute cette partie-là, donc je pense vite faire me planter. Ils étaient contraints d'avoir une vieille version de GIMP qui était une version qui acceptait les images à. Alors c'était GIMP. Pour le cinéma, ou CinePaint, je crois, ou quelque chose, qu'ils utilisaient pour faire des petites retouches. Ils avaient vraiment besoin de la 2D pure, de reprendre, parce que Mary, il faisait vraiment beaucoup de choses avec. Et donc, le fait d'avoir Krita, ça leur permettait, pour la retouche de matte painting, pour la retouche de certaines textures, d'avoir un outil qui trouvait beaucoup plus ergonomique et facile à prendre en main, parce qu'ils avaient tous les artistes en interne qui venaient de Photoshop. Et faire tourner Photoshop sur Linux, ben, à part avec la couche de compatibilité Wine, c'est pas du tout pratique. Toutes les décorations, ça crache souvent, c'est pas optimal. Donc, je sais que Krita fait son entrée petit à petit dans les studios de cette façon-là, parce que ça devient un petit couteau suisse qui coûte rien à installer. C'est déjà ça. Et puis qui va pouvoir rendre service quand on n'arrive pas à ouvrir une texture ou quand on peut. Dernièrement, sur le forum de Photoshop, de Adobe, où quelqu'un n'avait pas à ouvrir un PSD, et en dernier recours, il y a quelqu'un qui lui a dit « Installe Krita, ouvre-le sous Krita ». Ça a marché. Les développeurs de Krita, ils disent « Ah, c'est bien, tiens, on nous recommande maintenant pour ouvrir les PSD ». Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont des PSD qu'on peut ouvrir sous Krita. Les groupes fonctionnent. Il y a une seule chose qu'on ne peut pas, ce sont les textes dynamiques. On perd l'édition du texte. Le texte apparaît, on perd l'édition du texte. Et moi, sur certains projets, j'ai des problèmes avec les styles de calque, les layers FX, qui sont assez récents encore. J'ai dit qu'il y a des problèmes de performance. Et j'avais tendance à beaucoup en abuser. Je crois que, quand tu t'en rappelles, à la regarde, j'avais beaucoup des courbes basées sur les styles de calque. J'étais à fond de ça. Et j'ai plein de fichiers qui sont pas ouvrables encore. Oui. Oui, il y a ça. Oui. Il y a deux modes de sauvegarde. Oui. Est-ce qu'il y a un mode de sauvegarde temporaire ou un autre mode alternatif de sauvegarde? Il y a des modes de sauvegarde différents. Oui. Alors, par exemple, là, je vais sauvegarder celui-là. Alors, je fais un save as. Je vais mettre dans mon dossier d'Ival et je vais l'appeler a.cra. Alors, à partir du moment où je vais faire une modification, parce que toujours la sauvegarde apparaît si je fais une modification, ça ne change pas, je vais avoir accès ici à Save Incremental Version. Alors là, ça va simplement, si je le clique, il va me faire une sauvegarde et il va l'appeler A-001. Alors là, c'est à chaque fois, je vais être sur la dernière version. Si je refais encore un trait et que j'y vais, Save Incremental Version, A002, etc. Bon, ça c'est pas mal pour les dessinateurs qui font un projet, qui sont là, ils font le crayonné, hop, le crayonné est fini, ils font une sauvegarde incrémentale, ils passent au 002, et comme ça à la fin ils ont peut-être 9 étapes, et ils peuvent montrer ces 9 étapes sur un forum, où ils pourront regarder eux, ou par où ils sont passés, ils disent, voilà, oui, j'aurais pas dû détailler trop le crayonné, de toute façon j'ai dû tout passer après, donc ça aide à voir. La deuxième chose, dans les sauvegardes qu'il y a, ça va être, et là je vais le sauvegarder sous format B. Voilà, maintenant je suis à B ici, Bcra. C'est, alors je vais faire un trait dessus pour l'altérer un petit peu, c'est le save incremental backup. Alors là c'est différent, quand je save en incremental backup, je reste sur le même nom de fichier, je suis toujours B. Alors c'est pratique, c'est. Si c'est une texture par exemple, et le nom de fichier, si je travaille sur un PNG ou quelque chose, il est déjà relié à un logiciel qui utilise ce fichier-là.
Et par contre, je vais avoir sur le disque, là si je me mets dans Home, donc là j'ai mes petits CRA. J'ai pas la prévisualisation parce que j'ai oublié de l'installer avant de venir. J'ai installé l'ordinateur. Mais on va voir que le B, il y a maintenant un B tilde 00. C'est-à-dire que je suis sur la dernière version, mais la version précédente, c'était B000. Le format fichier reste toujours pareil. Donc je refais ça. Je fais fil stab incremental backup. C'est F4. C'est celui souvent que les personnes utilisent parce qu'ils préfèrent faire leur nom final de fichier et faire pas mal de backups. Et voilà, et là je vais pouvoir multiplier les backups. Là, B01, B00. Le 00 est le plus ancien, le 01 est le plus récent, B c'est la version que j'ai actuellement. Donc il y en a un comme ça, c'est deux approches différentes. Et c'est ces deux façons de faire des sauvegardes. Dans les settings, on a aussi un autosave. Toutes les 5 minutes, on peut le monter à toutes les 10 minutes, on peut le supprimer aussi. Et ça peut être pratique en cas de crash. Parce que ça arrive de temps en temps. C'est pas tout le temps non plus, hein, ça reste assez rare, mais ça arrive. D'autres questions? Donc ben, je vous remercie beaucoup encore d'être venu. Et puis ben, j'espère qu'on se retrouvera. Puis n'hésitez pas là à m'interpeller quand je range mon matériel et tout, pour d'autres petites questions, pour me montrer des travaux que vous faites. Moi je suis, comme je vous l'ai dit, hein, le côté très prof, très audience, c'est un peu ce qui se passe sur le net. Quand on a l'audience, quand on a la séparation, là on est ensemble, donc on peut casser ça, il n'y a pas de souci. Voilà, merci.